Hello les loulous, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel intemporel. Et oui, puisqu'on parle d'automne, c'est un intemporel. Donc pour ceux qui arrivent après, ici je le fais sur, sur le mois de septembre 2024, mais si vous arrivez au printemps 2025, ce sera pour votre automne prochain. Pareil, si vous arrivez en été, l'année prochaine, ce sera pour l'automne suivant. Donc ça reste un intemporel, ça reste du général, les amis, hein, comme d'habitude. Vous avez eu les trois choix en image juste avant, donc il suffit de faire votre choix hein, par la forme de la feuille, la couleur qui vous appelle. Et donc moi pour cette guidance, je vais procéder, je vais prendre plusieurs oracles. Je vais prendre les esprits de la forêt, l'oracle du scarabée d'or, l'oracle des runes, l'oracle du chaman mystique. En termes de tarot, je prendrai un tarot différent pour les trois choix. Peut-être l'oracle des miroirs et le béline. Et puis pour le sentimental, on verra à la fin. Donc on va vraiment aller voir comment va se dérouler votre automne. N'hésitez pas les amis, je vous le demande sincèrement de faire un petit don pour m'aider à progresser sur ma chaîne. Je voudrais, j'en ai parlé dans la guidance du jour d'ailleurs que j'ai fait récemment, m'acheter du matériel pour qu'on voit mieux les cartes, pour qu'on ait vraiment une vue beaucoup plus aérienne et que les cartes soient beaucoup plus détaillées. Puisque là, j'ai vraiment envie de garder ce décor et de le changer de temps en temps. Donc, ce serait vraiment sympa de votre part, pour ceux qui savent le faire, de faire un petit don sur mon PayPal personnel qui est dans la barre de description ou sur ma cagnotte Litchi en ligne. Je vous remercie bien sûr à l'avance, mes loulous. Prenez juste uniquement ce qui résonne, ce qui fait sens avec ce que vous vivez actuellement, avec vos guidances, avec vos énergies dans cette guidance, c'est ça que je voulais dire. Et puis n'oubliez pas que j'ai une boutique en ligne avec mes bougies de lune et avec des parfums notamment. Je crée également des gels douche, des savons, des crèmes de jour et de nuit que j'ai appelées l'une du matin et l'une du soir. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, des démaquillants huile, démaquillants de douceur de lune aussi. Et puis on va commencer les amis, et comme d'habitude à la fin, vos signes astro, chemin de vie, année personnelle, qui peuvent être également votre signe ascendant lunaire ou Vénus si le domaine amoureux vous parle, et s'il n'y a rien de tout ça, pas de souci. Voilà, pas de souci, c'est qu'il y avait simplement des messages pour vous, mais que ça concernait pas forcément votre chemin de vie ou votre signe astrologique. Ok, donc on va commencer ici. Moi, je vais déjà aller prendre une belle carte ici, une belle carte. Oui, elles sont toutes magnifiques. Pour le groupe numéro 1 de l'oracle du chaman mystique, je garde le petit livret à côté de moi. Cet oracle est d'Alberto Villoldo, de Colette Baron Red, voilà, et de Marcella Lobos. Le petit texte ici dit que les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés. Voilà, c'est un oracle qui reprend les symboles sacrés. Pour mon groupe numéro 1... avec ce très bel oracle du chaman mystique. Quels sont les messages et quelles sont les prédictions ici et les conseils pour votre prochaine automne? Pour ceux qui me regardent maintenant, nous y sommes presque, hein, mes amis. À partir du 21 septembre et jusqu'au 20 décembre. Alors, j'ai la danse des... Ah, il y en a deux. J'ai l'épée et la danse des fantômes. Alors, la montre, l'épée, elle est magnifique. Je la montre encore plus près, hein, comme ça vous la voyez bien. Et la danse des fantômes, la carte 22. Et là, elle est très sombre, regardez. Ok, qu'est-ce que j'ai en deux de deck? La croix ondine, carte numéro 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis? On va aller voir. Bon, ben, l'épée, c'est probablement une décision que vous allez prendre, une situation dans laquelle vous allez trancher, hein, tout simplement.
Alors, vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Tout est aligné pour vous aider à revendiquer votre pouvoir, alors entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Donc l'épée invoque la puissance du ciel également. Elle va vous transmettre la puissance, vous accordera des initiations, coupera des cordons énergétiques du passé ou brisera des relations toxiques. Donc ici, on peut pour certaines personnes dire voilà. Vous allez couper une relation néfaste, vous allez couper avec quelque chose qui ne vous convient plus, hein, tout simplement ici. Hein. Alors, on va aller voir. Bah, le fantôme, en fait, la danse des fantômes, les fantômes viennent surgir du passé. Hein, donc, on revient là-dessus. Hein. Les ancêtres ont des messages de guérison, un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré à votre autel. Allumez une bougie pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. On parle de vos ancêtres. Donc, allumez une bougie. N'hésitez pas à m'en commander une. Si ça vous intéresse, je peux y mettre des pierres aussi. Hein. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter leur histoire tragique. Entrez dans l'abondance qui vous est offerte, recevez les dons de ceux qui vous ont précédé et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Si vous êtes prisonnier d'un cercle vicieux de nostalgie, de deuil ou d'une jeunesse perdue ou d'occasions manquées, il est temps de faire un autel pour les ancêtres. En fait, honorer vos ancêtres va faire partie intégrante de cet automne. Vous créez un petit autel, un petit espace à vous, allumez une bougie. Leur demandez aussi de vous libérer d'un vœu de pauvreté que vous auriez fait. J'ai beaucoup ça pour vous. Et reconnecter à votre abondance future. Prendre la décision d'acter une fois pour toutes le renouveau dans votre vie. Mais c'est vous qui avez cette épée en main, donc c'est vous qui devez acter quelque chose. Demandez-leur aussi, dites-leur que vous n'êtes plus à la même époque qu'eux et que si vous avez fait ce vœu de pauvreté, il est temps de couper avec ça. Demandez-leur de vous aider à couper avec ce vœu de pauvreté et d'attirer l'abondance à vous. C'est vraiment ça ici. Alors avec la croix en dîne en 2 de deck, je vais vous la placer quand même, hein, comme ça vous la voyez. La croix en dîne en 2 de deck. On vous annonce le début d'un grand voyage. Il est temps d'élever votre regard du quotidien terre à terre vers ce qui, jusqu'à présent, vous a semblé hors portée. Laissez la nouvelle sagesse vous guider et cessez d'essayer de donner un sens à tout cela avant de répondre par un oui retentissant. La croix en dîne symbolise la cosmologie du chaman. Elle représente les quatre points cardinaux, le monde d'en haut et le monde d'en bas, ainsi que les étapes pour atteindre ces royaumes. Le trou qui se trouve au centre est un portail vers le voyage interdimensionnel. Moi, j'ai l'impression, les amis ici, qu'il y a un portail qui va être important pour vous. Alors, moi, on me donne le nombre 12. Probablement le portail du 12-12, les amis. Ce portail du 12-12 va vous aider à débloquer votre abondance. Mais je pense que la décision, vous la prenez avant. Pour certains, ça peut être dans 3 semaines, au moment où vous me regardez. Pour d'autres, dans 3 mois. Mais moi, j'ai plus l'idée de 3 semaines ici. Dans 3 semaines, vous prenez une décision pour débloquer quelque chose dans votre vie. Vous savez, au moment où vous m'écoutez, qu'il y a quelque chose qui doit partir de vos énergies pour laisser l'abondance prendre sa place dans votre vie ici. Okay. Si vous demandez pourquoi il y a 2 parfums, ce sont aussi des parfums que je crée dans ma boutique. Là, j'ai mis Bélier, Scorpion, mais j'ai Balance, Verseau, j'ai tous les signes. Je les avais mis là pour la guidance de jour, ils sont restés du coup, donc comme ça, vous les voyez. Fait aussi avec des huiles essentielles et vraiment des choses naturelles. Ce sont des eaux de parfum de 50 millilitres. Ici, on voit que vous passez un cap important sur cet automne.
Le tonne aussi nous demande à tous de nous dépouiller de ce qui ne nous convient plus, vous voyez? Donc ça peut être ça aussi. Alors je vais prendre une carte de l'oracle du scarabée d'or pour compléter les messages ici. Il y a un beau petit livret avec... vous pouvez prendre des notes, vous voyez? Vous pouvez prendre des notes en dessous de chaque... en dessous de chaque carte, quoi, de chaque nomination de carte. Donc, je trouvais ça pas mal aussi. Je vais relever, voilà. Vous voyez? Je dois constamment bouger ma caméra. Voilà. Alors, on y va ici avec l'oracle du scarabée d'or, vos amis. L'éther, je suis ce mystère cosmique tout entier incarné. Votre connexion avec le monde invisible, les amis. Ça va vraiment être très important. Je pense que vous connectez déjà, mais pas assez, parce qu'il y a encore quelque chose qui vous bloque. Je sens plus de légèreté pour vous, principalement aussi à partir de ce mois d'octobre. À partir de ce mois d'octobre, vos intuitions vont être de plus en plus fortes, vous allez beaucoup plus connecter. Et c'est de là où on découlera cette décision, je pense aussi. Le monde onirique, vous allez peut-être recevoir des messages la nuit de vos guides ou dans vos rêves, les amis. Ou quand vous êtes vraiment apaisé, hein. Le scarabée d'or, magnifique. En lien avec les synchronicités, je vis une renaissance. Donc cet automne va vous permettre de renaître. Et donc, je disais, la période de l'automne, c'est un dépouillement en fait. C'est pour se préparer à la saison suivante. Tout ce qui a donné ses fruits est en train de tomber, si vous voulez. Les feuilles tombent des arbres. Donc, je pense que là, il y a une question de détachement pour vous ici. Détachement d'une situation, détachement envers une personne. Le rejet. N'hésitez pas à aller voir la guidance sur l'enfant intérieur, les amis. Hein. Ici, on dit qu'il y a une blessure de rejet sur laquelle vous êtes en train de travailler. Plonger en soi dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. Vous allez comprendre bientôt pourquoi vous vous sentez tout le temps rejeté, en fait. Les guides ont des messages très importants pour vous ici, les amis. Hein. Bon, je vais prendre... J'espère que je suis en train de faire une montagne avec mes cartes, les amis. J'espère que ça ne va pas tomber, que ça ne va pas faire du boom. L'esprit de la forêt du Sea Cavendish, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus utilisé. Le focus, elle est, regardez comme elle est splendide. J'adore parce que justement, regardez, elle a des feuilles, elle a cette lumière rousse ici, des couleurs de l'automne. Elle est magnifique, vraiment. Tellement réelle, on a l'impression qu'elle nous regarde là, avec sa peau laiteuse et ses yeux, ses grands yeux verts, magnifiques. Allez, on y va pour mes amis du groupe 1. Si cependant tout ne vous parle pas, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi, à me contacter via mon site, à faire une réservation sur le site, ou à me contacter via mon mobile ou via mon mail. Hein. Vous voyez tout ce qu'il vous faut. Oh, regardez, Awen, comme elle est belle. Elle me fait penser à Liv Tyler dans le Seigneur des Anneaux. Don, inspiration divine, éveil. Donc, il y en a qui vont vivre un véritable éveil, qui vont être inspirés sur cette période automnale ici. Hein. C'est ça. La métamorphe, les amis, regardez. Transformation, sagesse primitive, instinct. Il y a une situation qui change pour vous hein, sur cet automne. Hein. Et c'est important pour vous parce que ça vous permet de libérer beaucoup de choses qui étaient encore douloureuses, que vous ne conscientisez peut-être même pas, hein, mais vous sentez des blocages. Et là, la situation, elle est à votre avantage parce qu'on voit que, avec l'aide de vos guides, de vos ancêtres, vous prenez une sacrée décision. Hein. Ouais.
Abondance, paix, contentement, vous voyez? L'abondance qui arrive à vous, les amis, ici. Hein. Elles sont vraiment superbes, ces cartes, je trouve. Hein. Vraiment. Alors, ici. Avec l'oracle des runes, qu'avons-nous? Moi, je crois que vous venez de loin, hein, les amis. Hein. Vous allez faire un sacré voyage sur cet automne. Peut-être même un voyage physique pour certains. Hein. J'ai oublié de vous le dire, je le ressens fort aussi. Peut-être vous n'avez pas su partir en été, vous n'avez pas voulu être mêlé avec cette foule touristique. Et là, vous vous apprêtez à faire un magnifique voyage où vous allez vous sentir sur cette terre où vous allez aller en connexion avec vos ancêtres. Même si vous ne venez pas de là, hein, parce que les ancêtres, c'est pas toujours des gens de notre famille. Hein. C'est peut-être dans une vie antérieure, vous avez foulé cette terre et vous aviez des personnes autour de vous qui vous admiraient, qui vous respectaient, avec qui vous avez vécu. Des gens avec qui vous avez dansé, rigolé, chanté, voilà. Et qui ne vous ont pas oublié du fait. Ça peut être ça aussi. Ok, les amis. Allez la chercher, hein, si elle ne veut pas venir, parce qu'elle vient par beaucoup. Et je n'en veux qu'une. Oh! Mais on parlait de voyage, les amis. Hein. Alors, vous avez Reido. Hein, et Reido, ça nous parle vraiment d'un voyage fantastique. On peut le voir ici, dans cet éveil. Un voyage vers l'inconnu, dans la spiritualité, connexion avec vos guides, messages reçus, messages intuitifs. Mais ça peut vraiment être ce voyage. Vous préparez à un voyage. Ce voyage ne va pas vous laisser insensible. Au contraire, je pense que ce voyage va vous marquer. Ouais. Nouvelles aventures, curiosité. On vous dit de bien préparer les objets qui vous seront utiles, appareils photo, caméra, etc. Il y en a peut-être qui vont se lancer dans les vlogs ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des personnes qui parcourent plusieurs régions, plusieurs pays, territoires, et qui filment et qui expliquent ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, où vous devez aller dîner, les hôtels qui sont abordables, ce que vous pouvez dire ou pas dans ce pays. Un peu les coutumes, les traditions, vous voyez? Moi, je vois ça ici. Hein. Après, vous me direz, si c'est pas le cas, ça peut être aussi le fait de transformer quelque chose en votre vie qui vous permet de partir vers de nouveaux horizons. Ça peut nous parler d'un déménagement à l'étranger, hein, pour certains aussi. Hein. Une expatriation, l'envie de réaliser sa carrière professionnelle à l'étranger et donc du coup de s'y installer, c'est possible aussi, hein, les amis. Ok, donc on a déjà des très beaux messages pour commencer ici pour vous. Hein. Alors, moi je vais aller prendre l'oracle des miroirs pour mes amis du groupe 1. Super beau, super beau. On passera au tarot. Okay. Votre clairvoyance, vous voyez, il y a vraiment un éveil, il y a une reconnexion tout à fait spéciale ici à votre intuition. Je pense que vous l'étiez déjà intuitif. Nous sommes tous intuitifs de par notre nature. On a tous ce sixième sens, on est tous capables d'être à l'écoute. De ce qu'on ressent, des messages qui nous parviennent, mais il y en a qui ne le développent pas tout de suite et qui le développent bien après. Et je pense que c'est votre cas. Vous allez grandir. J'entends une espèce de croissance ici pour votre intuition. Vous allez y voir très clair. Ici, on a le fait de se réunir. Réunion familiale, réunion professionnelle, réunion avec des proches, avec des tierces personnes ici. Alors, j'ai un message pour certains en particulier. Peut-être que c'est l'île de la Réunion, votre délire, votre kiff. Peut-être que vous avez envie de partir à la Réunion. Peut-être que vous avez envie de vous installer là-bas. Victoire. Pour retrouver des personnes de votre famille là-bas. C'est possible aussi. Pour ceux qui y vivent déjà, je vous fais un petit coucou, mes amis de la Réunion. Enfant. Ok.
Victoire. Alors, j'ai deux messages ici. J'ai le message, vous reconnectez à votre enfant intérieur, parce que vous recommencez à lui parler, en fait. Vous ressentez cet enfant qui a besoin de joie, qui a besoin de rire, qui a besoin de s'amuser, et c'est une vraie victoire pour vous. Soit ici, on nous parle peut-être d'un enfant qui est parti ou qui part à les réunions, vous voulez retrouver là-bas, parce qu'il est parti là-bas pour ses études. C'est possible aussi. Il y a peut-être un succès pour votre enfant et vous le ressentiez déjà à l'avance, hein, sur cet automne. Peut-être que là, vous avez confirmation du succès de votre enfant s'il est aux études, je ne sais pas, supérieures. Je dis enfant, ça peut être de grands enfants, de jeunes adultes, bien sûr, hein. Abondance, les amis. Argent, regardez. Attendez, je vous laisse les cartes ici, hein, les principales. Abondance. Donc il y a une somme d'argent qui arrive. En tout cas, on parle d'argent, que ce soit dépense ou rentrée. Il y a un changement par rapport à votre abondance, les amis. De nouveaux amis qui rentrent dans votre vie ou avoir envie de partager des moments avec des amis. Et... Je vais le venir par beaucoup, hein. Ok, ben on termine. Alors, vous voyez, la prédiction ici, c'est qu'on commence avec la clairvoyance, on termine avec la clairvoyance. Donc moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui s'éclairent sur votre chemin, sur cet automne, au niveau de la famille, au niveau des amis, peut-être même au niveau professionnel ici, hein. Il y a un grand changement sur la prochaine saison, nous le dit, hein. Donc vraiment, c'est de cet automne qu'on parle, hein, par rapport à votre abondance. Alors, vous avez peut-être fait des dépenses aussi pour un enfant, mais au final, vous réalisez que c'était pour lui permettre de réussir. Et que ben, ça prend forme, que l'enfant qui a commencé ses études ou quoi est super ravi, fait des progrès constants, et ça vous met vraiment en joie, quoi. Hein, ça peut être ça aussi. Ok. Retour d'un enfant. Ah, je vous dis, c'est peut-être vous qui allez voyager pour retrouver cet enfant. C'est peut-être cet enfant qui revient vous faire un petit coucou sur les vacances d'automne, là. Hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur l'argent? Il y a de la nouveauté. Il y a de nouvelles rentrées d'argent, les amis. On nous parle de changement également dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vous projeter, dans votre avenir. Il y a du changement. Je peux pas le dire autrement. Le retour d'une communication à distance aussi. Communiquer peut-être à distance avec l'international pour votre boulot, avec un ami ou avec quelqu'un sur qui vous avez flashé. Et il y a un retour de communication. Pour vous, monsieur. Et madame, on a le couple ici, hein. Il y a un compromis qui se trouve par rapport à quelque chose qui appartiendrait à vos ancêtres. C'est peut-être une maison aussi familiale. Il y a un compromis qui se trouve. Vous prenez bien sûr ce qui vous appelle, hein, les amis. Il n'y a rien à forcer du tout, hein. Mais je trouve ça très, 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 très beau comme message, hein. Je vais prendre un petit message de l'oracle de 100K. Beauté, féminité et la carte de l'intuition. Regarde plus loin que ce que tu vois de tes yeux. Le monde de la nuit révèle bien des mystères enfouis. Tu as la capacité de les percevoir ou de les sentir. Fais confiance à ton instinct, il est juste intuition. Vous avez énormément d'intuition. Et elle va grandir, elle va croître, elle va évoluer. Vous allez recevoir de plus en plus de messages. Beauté, féminité, il se peut que l'on t'invite à sortir. Permets-toi de montrer aux yeux du monde le pouvoir de ton féminin sacré. Tu reprends ainsi ta place et ton rayonnement naturel. Vous allez beaucoup plus prendre soin de vous. Vous allez vous faire plaisir. C'est beau, hein? C'est magique, les amis. Signature à un nouveau contrat, une nouvelle alliance, un contrat de bail, un contrat professionnel, un contrat de mariage, peu importe, mais il y a un contrat pour vous qui arrive.
Et ici, je suis sur le 3, donc ça peut... attendez. Hein. Ça peut être dans les 2 mois, au moment que vous me regardez, ici, ce contrat. Bon, ben, écoutez. C'est beautiful, comment dirais-je. Hein. Je vais prendre pour vous l'héritage du tarot divin, les amis. Le Chiromarchetti. Les cartes sont grandes, elles sont magnifiques, regardez. Chiromarchetti. J'adore dire ça comme ça. Et c'est aux éditions Exergue. Alors, on y va les loulous. Que nous dit le tarot pour vous, mes amis du groupe 1, pour votre automne? Qu'est-ce qui s'annonce pour vous en termes de prédiction avec le tarot? 7 de denier, magnifique. Reine de bâton, écoute. C'est elle qui est sur la voie, qu'elle est magnifique, cette femme. Elle représente la puissance, le feu. La roue de fortune, ou la roue du destin, voilà. Elle porte bien souvent des noms différents dans le tarot. Cavalier de denier. Vous faites évoluer les choses, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ici, on voit que là, pour le moment, hein, là, on voit qu'on est encore en été. Hein, vous êtes en train de semer les bonnes graines. Vous êtes en train de préparer quelque chose et c'est de l'ordre d'une passion. C'est une grande volonté, le courage d'aboutir, d'y arriver ici. La détermination aussi, la confiance en soi. Et là, ça vous fait évoluer. Ça vous fait évoluer dans un bon rythme. Pas trop vite, le cavalier de denier, pas trop vite. On parle du 8 de denier. Donc, ça peut concerner votre activité principale, professionnelle. Ça peut concerner une activité que vous voulez voir développer, même si vous êtes à la retraite, hein. L'activité qui vous plaît, une passion artistique, quelque chose que vous faites avec vos mains ici. Et on voit là que vous allez récolter. Hein. Mais clairement, les amis. Hein. Attendez. Ah, je vais y arriver. Hein. Il faudrait un tout petit peu le. Voilà. Donc on voit ici, mes amis, que vous allez clairement récolter. Hein. Le 9 de denier, c'est une récolte dans la matière. C'est quelque chose que vous avez tellement, tellement souhaité ici. Hein. On m'indique le nombre 7, donc peut-être dans 7 semaines pour certaines personnes, au moment où vous me regardez. 7 semaines. Mais non, peut-être aussi que ce fameux nombre 7 fait partie de votre chemin de vie ou à une personne, elle aussi, hein. Les amoureux. Alors, si vous êtes en couple, ben, il y a une belle entraide, un beau partenariat. Ça peut nous annoncer une rencontre aussi, une rencontre décisive, une rencontre peut-être qui va vous avantager aussi sur le point de vue professionnel, mais ici c'est un rapprochement, hein. C'est un rapprochement entre deux personnes qui s'aiment et qui s'accordent en fait. Ouais. Peut-être que c'est un choix, une décision amoureuse que vous avez pris, qui vous permet d'acter ces changements en conséquence sur cet automne. Et là, vous allez voir, vous allez commencer à récolter. Hein. Ouais. Reine d'épée. Vous êtes décidé à y arriver. Voyez l'épée. On l'a eue dès le départ. Bah, d'ailleurs, elle est là. L'épée. On tranche, on décide. Il y a peut-être une décision que vous prenez pour votre vie amoureuse. Je vois qu'au niveau professionnel, au niveau d'un nouveau job, d'un nouveau contrat ou de quelque chose au niveau financier, ça va aller. Ça va aller même plutôt mieux que bien ici. Mais ici, attendez, je vais ouvrir la carte des amoureux. Ouais, c'est ça. 5 de coupe. Oui. Devez vous élever. Il y a une situation amoureuse que vous quittez. Vous venez de quitter. Ça vous a rendu triste, mais si vous ne l'aviez pas fait, ou si vous ne preniez pas cette décision, ou si vous ne voulez pas la prendre,
il y a des choses qui risquent de bloquer. Tandis qu'ici, on voit que si cette décision est prise en âme et conscience, parce que ça ne va plus depuis des années, des mois, peu importe, on voit que là, tout vous arrive en termes d'abondance positive. Alors, si vous êtes bien dans une relation, que vous êtes encore avec la personne et que tout va bien, n'allez pas dire à la personne « je te quitte parce que Papillon de Lune a prédit que… » Non, ça c'est pour les relations qui étaient en péril, qui étaient en danger, qui ne fonctionnent plus. L'un était néfaste pour l'autre, ça allait bien au début, mais à force avec le temps, on se comprend plus. Vous voyez le genre de dessin que je vous que je vous fais parvenir ici. 10 de denier à la coupe, les amis. La force d'arriver à son abondance, de récolter cette abondance. Le 10 de denier, c'est la sécurité dans sa totalité, en fait. Sécurité familiale au foyer grâce à des revenus, grâce à une certaine bonne gestion aussi financière. Je pense que vous allez bien gérer tout ça. Bon, ben écoutez, moi, je trouve que les messages étaient vraiment parfaits, parfaits et très détaillés. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer au domaine amoureux avec le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvis et qui est aux éditions Contredire. Voilà. Alors, mes amis, pour votre situation amoureuse là aussi, faites très attention à ce que vous allez prendre. Si tout va bien, pas la peine de venir regarder le sentimental. Et si même si tout va mal, ne prenez que ce qui peut s'accorder avec vos énergies actuelles. On a tous des situations amoureuses très, très, très différentes. Nouvel élan. Ouais, la magicienne, nouvel élan. La reine de bâton est à nouveau là, les amis. Illumination. Nouveau départ, ici. Hein. Apothéose, les amis. J'ai même pas envie d'aller en prendre plus. Hein. Apothéose. Donc, tout ce que votre cœur désire, vous allez l'obtenir. Même s'il y a eu une rupture, même s'il y a eu une décision compliquée à prendre, ou c'est peut-être une décision que vous avez prise en couple, le fait de changer de travail parfois, ou de se consacrer un peu plus aux enfants et de demander un mi-temps et de devoir faire une activité à côté pour pallier, ça peut mettre un peu de trouble, voilà, dans l'ordre qui règne dans la maison. Mais ici, peut-être que c'est une décision que vous prenez en couple, et là vous arrivez vraiment sur un terrain d'entente, vous arrivez à un équilibre, à une harmonie ici, hein. De la clarté après beaucoup de confusion. C'est ça qui vous parvient en fait sur cet automne. Parce que vous savez, vous le savez, vous êtes intuitif comme la grande prêtresse. Voyez, on a le pape et la papesse ici. Hein. Intuition, clarté après une période de confusion. Donc peut-être que là, au moment où vous me regardez, vous êtes dans la confusion. Peut-être parce que vous avez un choix à faire avec le cœur. Un choix entre deux personnes, un choix au niveau personnel pour votre vie sentimentale. Ok, mais après, vous allez vraiment... ici, il se peut qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie aussi, les amis, hein, sur cet automne. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre aussi? Je vais aller chercher... qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous? L'améthyste love, les amis. Faites très attention que tout ne tombe pas ici. L'améthyste love. Vous me direz bien sûr en commentaire si ça vous a parlé. Si vous avez aimé, voilà. Et pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Également des guidances axées uniquement sur le sentimental, hein, les amis, ici. Il y a trop d'interrogations pour le moment. Ouais. Alors, on vous dit que vous avez passé une épreuve, ou que vous êtes en pleine épreuve pour le moment au niveau émotionnel, ou qu'il y a eu quelque chose de difficile à dépasser, mais votre ange est là avec vous. Hein, ça peut vraiment être ici un ancêtre aussi, hein, qui est vraiment un ange gardien. Ça peut être un défunt, je ressens aussi, hein.
Il y a une grande protection ici envers vous pour votre vie amoureuse. Cette personne ne veut pas que vous recommenciez, vous répétiez les mêmes schémas avec les mêmes personnes. On vous parle d'amour envoûtant et passionnant et d'amour charnel. Donc, je pense que ici, soit il y a une nouvelle rencontre après une épreuve, soit votre couple a subi une épreuve, mais là, voilà, ça va de mieux en mieux. On parle d'amitié, de fidélité, de sincérité dans cette relation. On vous parle d'un lien karmique ici. On vous parle d'engagement, ok. Donc l'épreuve, elle valait le coup finalement. Hein. Alors ça peut être le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-personne ou de cette personne avec qui vous avez traversé cette épreuve. Mais moi, quand j'ai le lien karmique est passé, ça me fait penser à une vie antérieure. Donc, ça peut être tout à fait un lien d'âme ici. Hein. On a la sagesse, le bon raisonnement. Donc vous voyez, il y a un certain apaisement qui arrive pour vous ici. Hein. Ok. Alors, pour certains, si vous avez été trahi, si vous avez le cœur blessé, on vous dit de ne pas reprendre l'ex-personne si elle revient. Parce que il y a quelqu'un qui est malhonnête, qui essaye de vous piéger. Alors, cette personne, peut-être, on parle de l'automne d'ailleurs, donc faites très attention à ne pas à nouveau replonger dans la même souffrance. Hein, parce que cette personne va encore vous faire souffrir. On a le détachement, période de lâcher prise, on a la balance scorpion-sagittaire. Ça peut être cette personne ou ça peut être vous. Hein. Voilà. C'est peut-être votre Vénus ou le Vénus de la personne ou le signe de la personne en face. Je voudrais aller vous prendre pour terminer un petit message de l'oracle des amoureux. Et puis au final, prendre une carte de l'oracle cœur et âme ici. Ok. Allez. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est ça, hein? Vous devez absolument vous détacher de quelque chose. Oh, elle est restée sur la table. Hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Wow. Donc, on vous parle bien de lâcher quelque chose qui a été difficile. C'est peut-être même dans vos énergies, hein, c'est peut-être le fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose et on vous dit là, ben, il est temps, quoi. Voilà. Que tu veuilles en terminer une fois pour toutes dans cette relation, que tu veuilles rencontrer quelqu'un. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, il y a bien quelqu'un qui est fait pour vous et qui est sur votre route, les amis. Mais tant que vous ne lâchez pas votre passé, vous ne pouvez pas connecter avec cette personne qui arrive vers vous. Voilà, tout simplement. Alors, je vais aller ici. J'ai très envie de prendre... Ah, j'y ai arrivé, les amis. Attendez, hop là. Alors, c'est il y a un peu de poussière. Hein. C'est là l'oracle cœur et âme. Ici. Et c'est, regardez, le boîtier est un cœur, je trouve ça vraiment super joli, de Tony, Carmine et Salerno également. Ok, on y va. On y va. Alors, un message de fin ici. Ouais. Carte de transformation intérieure, peut-être un petit conseil, il viendra pour vous mes amis. Hein. Il y en a deux. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, je vous montre l'image. Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais de ce monde lointain n'est pas si loin, il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Donc, laissez votre imagination dériver. Un monde de rêve, je vous ai parlé du monde onirique. Peut-être que vous rêvez à cet amour ou à cette personne et qu'il y a une sorte de télépathie, hein, que c'est ça qui vous fait rentrer dans les énergies aussi de cette personne. Laissez-vous aller au rêve, pourquoi pas. Ne tombez pas non plus dans l'illusion, mais permettez-vous de rêver. Dites-vous que vous avez droit à l'amour, vous avez droit au bonheur, les amis. Ok.
Allez, on y va. On va prendre les signes astrologiques ici et vos chemins de vie. Je vais prendre celle-ci. Alors, on va prendre quatre chemins de vie ou années personnelles qui seront les vôtres ou pas, hein, ce n'est pas bien grave, tant que la guidance vous a parlé précédemment. Là, je vais vraiment me rester dans la main. Donc, chemin de vie ou année personnelle, 1. Chemin de vie, année personnelle, 8. Chemin de vie, année personnelle, 3. Et chemin de vie, année personnelle 4. Pour les signes astrologiques qui peuvent être votre soleil, ascendant, lune. Lune, tout ce qui est foyer, famille, ascendant, c'est ce que vous projetez à l'extérieur. Et le Vénus pour le sentimental. Mes amis, bélier. Ah, votre parfum est là, mes amis béliers. Hein, regardez. Si ça vous intéresse, il sent très très bon. Moi, je l'adore. Il est très classe, très chic. Alors. Mes amis Gémeaux et Gémeottes, mes amis Taureaux, c'est marrant, ça se suit en fait, hein. Bélier, Taureau, Gémeaux et mes amis Vierges. Voilà les loulous, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas les pouces. En haut, avant de vous en aller, merci et je vous embrasse, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de lumière et que tout se passe bien. Voilà, mais l'automne qui arrive est un grand changement, hein, on l'a bien capté ça. À bientôt. Coucou mes amis du groupe 2. Alors, pour vous, que va-t-il se passer sur cet automne? Dans quelles énergies allez-vous être ici? Alors, je vais commencer avec l'oracle du chaman mystique. Bon, je répète pour ceux qui arrivent en route et qui n'ont pas écouté l'intro, que ça reste bien du général, hein, malgré que vous ayez fait un choix, on est beaucoup trop nombreux sur la chaîne. Donc, ne prenez que les messages qui vous appellent, bien entendu, les amis, hein. On est d'accord. Allez. On y va pour nos amis du groupe 2. Oh. Alors, oh. Bon, ben écoutez, j'en ai trois. J'ai l'eau, j'ai le monde d'en haut. Je pensais qu'il y en avait deux. Il y en avait une qui était restée derrière et pas des moines puisque c'est la carte du jaguar. Donc, l'eau, le monde d'en haut et le jaguar. Carte 61, 61, pardon, 59 et 28. Apprivoiser le dent, les dents, mais oh, essayez de parler, hein, la fifou ici. Voilà, pourtant, le mercure est pas plus en rétrograde, mais parfois j'ai l'impression qu'il l'est encore. Donc, l'eau va vous parler évidemment du domaine émotionnel ici, de vos propres émotions, hein, les amis. Nouvelle vie qui apparaît après le déluge. Donc, on parle bien d'une renaissance. On vous invite à analyser vos émotions sur cet automne. Ça va être important. Et de voir comment elles peuvent changer. Et de ne pas tirer de conclusion pour le moment. Si vous vous sentez triste, laissez la tristesse vous envahir. Laissez vos pleurs couler, en fait, hein. L'eau vous invite à voir le flux et le reflux des événements et à suivre la vague d'occasion quand elle se présente. Le flux naturel est ici, suivez-le. On vous parle aussi d'un processus de transmutation, car l'eau peut changer de forme et devenir de la glace ou se transformer en gaz. Donc ici, ça va beaucoup toucher le monde de vos émotions. Hein, voilà. Alors le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une version légèrement améliorée de vous-même.
Ce que vous percevez comme un problème pour le moment ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en deux petits sauts. Les anges, les êtres divines, les anciens et toute variété d'êtres lumineux peuplent le monde d'en haut. C'est l'endroit où vous allez récupérer votre destin et en savoir plus sur la personne que vous allez devenir, ainsi que découvrir vos grands potentiels ou possibilités insoupçonnées. On vous dit que vous avez du potentiel. Ce qui vous dérange pour le moment, c'est vos émotions, parce qu'elles changent. Parce que voilà, un coup vous êtes triste, un coup vous n'êtes pas bien, un coup vous allez de nouveau mieux. Puis vous savez exactement quoi faire, puis le lendemain vous ne savez plus. Donc il y a peut-être aussi des émotions à purifier ici, à transformer. Cette eau, elle va vous permettre de transformer tout ce qui est émotion ici. Ok, alors, la carte 28, le jaguar, très belle carte ici. Il vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Le jaguar connaît le domaine situé au-delà de la mort et le maître des ombres, se fondant entre la lumière et l'obscurité, la nuit et le jour. Mais il vous apporte cependant courage et certitude quand vous êtes dans la peur. Alors, il y a peut-être pour certains et certaines, je dis bien pas pour tout le monde, peut-être une peur de passer au-delà de certaines habitudes, d'un certain schéma, d'une certaine vision, qui devrait ici normalement être plus élargie. Vous avez cette connexion avec le monde d'en haut, avec vos ancêtres, avec des défunts, avec vos guides, avec les anges. Mais vous ne les écoutez pas, parce que pour l'instant, au niveau émotionnel, c'est pas ce qu'il y a de plus stable, on va dire. C'est pas forcément une relation, hein. Ça peut être en vous, hein. Ça peut être quelque chose qui est en vous, qui vous a bloqué pendant longtemps, et maintenant on va vous demander d'exprimer ces émotions. Que ce soit par les pleurs, que ce soit par la communication, en parler à quelqu'un, il y a quelque chose qui doit que vous devez laisser partir ici, pour pouvoir être comme ce jaguar. Et sauter sur une opportunité quand elle va se présenter à vous ici, les amis. Hein. Bon, avec les esprits de la forêt, qu'avons-nous pour mes amis du groupe 2 ? N'hésitez pas, hein, comme je l'ai demandé dans l'introduction, de faire un petit don, les amis. Si vous ne savez pas donner plus que 5-10 euros, c'est pas bien grave. C'est pour me permettre justement de me performer au niveau de l'image aussi, au niveau des lumières, au niveau de l'angle de vue. Parce que je sais que le visuel, bien, et c'est important aussi hein, pour certaines personnes. Vous me verrez, à partir du moment où j'aurai une deuxième caméra et que je pourrai alterner, vous me verrez de temps en temps aussi, hein, vous n'aurez pas que ce décor-là tout le temps. Mais pour ça, ben, j'ai besoin de moyens, voilà. Vu que le travail que je vous offre ici est gratuit depuis plus de 4 ans, de temps en temps, une petite aide est la bienvenue, les amis, hein, vraiment. Hein. Ok. Alors, et les gens qui se désabonnent parce que ça leur plaît pas, que je demande de temps en temps des petits dons, hein, parce que je les demande pas tout le temps, eh bien, tant pis, voilà, bonne continuation, parce que j'ai vu qu'il y avait des abonnés en moins. Dès qu'on demande un peu d'aide ou dès que, voilà, il y a un petit problème technique qui se pose, ben il y a des gens, il n'y a plus personne, ils viennent, ils prennent et puis ils s'en vont. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez me dire, YouTube, c'est gratuit. Oui, pour vous, oui, c'est gratuit. Le fait qu'il y ait des pubs qui passent, c'est ça qui me permet d'avoir un léger revenu. Quand je dis léger, il est léger, hein, ne vous attendez pas à des sommes mirobolantes, malgré mon nombre d'abonnés. Donc voilà, j'ai besoin d'aide, tout simplement. Ceux qui ne peuvent pas comprendre ça, eh bien, désolé, mais voilà. Moi, je me sens avec vous dans cette communauté comme avec une famille. Voilà, et dans une famille, on s'entraide, tout simplement. Ok les amis, allez. Alors, on a l'ensorceleuse rituel pouvoir volonté. Vous la voyez bien, elle est belle. Hein.
Vous avez cette force en vous, hein, pour manifester de la magie dans votre vie, on me dit, sur cet automne. La sorcière des haies, sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Il y a bien quelque chose qui vous a été transmis de vos ancêtres. Il y a bien quelque chose que vous pouvez... que vous pouvez mettre en place ici. Vous êtes extrêmement lié à la nature. Extrêmement lié nature aux animaux. Alors pour certaines personnes, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas vous occuper d'animaux? Pourquoi pas travailler avec des plantes? Préparer, je sais pas moi, des petites potions, des rituels. Moi, je vois ça pour certaines personnes ici. Vous avez en vous beaucoup de connaissances, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de savoir au fil du temps. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi avez-vous peur de les montrer? Vos guides vous appuient. Ils vous boostent, ils vous donnent un petit coup de boost en disant, mais vas-y, n'aie pas peur. Tu es quelqu'un de sensible, oui, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Écoute-toi, écoute ton cœur, écoute tes émotions ici. C'est vraiment ça qu'on vous dit pour cet automne. Ça va être super important. Voilà. La donneuse de vie, il y a bien quelque chose que vous mettez au monde ici. Si on ne parle pas d'enfant proprement dit, puisque là, ça peut nous faire penser aussi, vous voyez, à la matrice, à l'utérus. Si on ne parle pas d'enfant proprement dit, on peut aussi parler d'un nouveau projet que vous mettez en place. Quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis tellement longtemps, mais vous n'avez pas osé. Et cet automne, ça va être le bon moment. On vous parle de fondation, de croissance et d'accomplissement ici. C'est comme si vous alliez être couronné, regardez. Elle est magnifique cette carte. Donc allez-y les amis, jetez-vous à l'eau, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, jetez-vous à l'eau. Alors, avec l'oracle du scarabée d'or, qu'avons-nous? Et puis je prendrai une carte de l'oracle des runes, les amis. Et pour cet automne. Pour cet automne, pour mes amis du groupe 2. C'est bien intemporel, donc peu importe à quel moment vous prendrez cette guidance. La pleine présence. J'arrose avec délicatesse le sentiment de pleine présence. Voilà. Ne restez pas juste là à rêver, les amis. J'ai peut-être des signes d'eau ici, parce que les signes d'eau, ils sont très rêveurs aussi. Ne restez pas là à rêver. Faites les choses en conscience. La pleine présence, c'est ça. C'est aussi l'éveil de conscience. Léonard de Vinci vous dit « L'expérience ne se trompe jamais. » Donc, tout ce que vous avez appris, tout ce qui est dans vos bagages ici, vous pouvez vraiment apporter énormément d'amour, de lumière et de sagesse aux autres dans tout ce que vous allez proposer. Mais il faudra être là. Il faudra pas juste dire « C'est un rêve. » Et en rêver, et mettre des choses en place dans l'ombre, mais ne pas montrer votre lumière. C'est pour ça qu'on avait cette idée d'ombre et de lumière. Sortez, sortez de l'ombre, les amis. Ne restez pas en retrait. Préparez-vous à bondir sur une occasion. Préparez-vous à vous montrer aussi. C'est important. Vous avez de l'expérience. Mais vous venez de passer quelque chose de difficile, où là, pour l'instant... Il y a énormément de tristesse, les amis. En moi sommeille une odyssée de larmes à consoler. Laissez, vous savez, c'est pas grave de pleurer. C'est pas grave. Laissez vos émotions s'exprimer. N'ayez aucun regret et ne soyez surtout pas dans la peur. Si vous avez des peurs, on dit de les observer parce qu'elles sont les voix de votre inconscient. Quand on a peur... C'est quelque chose de plus profond qu'on ne le pense bien souvent. Mais il faut y travailler en pleine conscience. Se dire, bon, mais non, ça suffit. J'en ai marre d'être dans l'ombre et d'être en retrait. Je vais en pleine présence être là et faire ce que mon cœur désire vraiment. Pas ce que les autres veulent de moi. Ce que moi, je vais décider d'apporter aux autres. Aux autres, à ceux qui m'aiment, à ceux qui me respectent. J'ai envie de vous dire, affirmez-vous.
pas peur de vous montrer ou de montrer les belles créations que vous êtes en train de réaliser dans l'ombre. Voilà. Mais à un moment, il faudra les mettre dans la lumière, les amis. Alors, on a la carte Tiwaz, la rune Tiwaz, pardon. C'est ça que je voulais dire. La rune Tiwaz. Je cherche le petit livret. Je ne connais pas encore tout par cœur. Hein, bon. On va aller voir ce que Tiwaz veut nous dire avant de passer à l'oracle des miroirs. Tiwaz parle aussi de, voilà, de mener sa vie avec passion. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Même, vous savez, il y a encore, oui, c'est vrai, vous êtes encore en train de grimper là. C'est comme pour tout sport de haut niveau. Hein, par exemple, là, c'est de la rando à vélo, ça peut être à pied, ça peut être dans une discipline sportive, comme ça peut être dans toute autre activité où vous êtes en train de grimper, hein. Vous êtes en train de grimper, donc vous allez y arriver, hein. Cette carte indique la victoire seulement si vous agissez dans la plus grande honnêteté et dans la considération des autres. Vous devez être proactif, pas réactif, et trouver le courage en vous pour agir dans le but d'atteindre vos objectifs. N'agissez pas juste par souci d'agir, car ici on vous prévient de la précipitation. Soyez prudent, ayez l'esprit aux opinions et soyez ouvert aux opinions d'autrui. Pesez le pour et le contre, sachez où réside votre force et avancez en faisant confiance à votre capacité à agir avec engagement. Donc là, on vous pousse à vous engager et à ne pas lâcher en cours de route. Vous engagez. Continuez à le faire et ne laissez pas la peur nourrir vos émotions. Hein. Vraiment. Hein. Parce que si ici au milieu, il y en a un qui a peur et qui fait une fausse manœuvre, ça peut durer l'histoire d'une seconde, eh bien, ben, il va causer du souci à ses partenaires. Hein. Il va peut-être décaler l'autre personne, toucher la roue de la personne devant et ça va être la dégringolade. Et là, on sent toute la déception si ça arrive, pas uniquement vous, mais aussi pour les autres. Donc je pense que si vous vous engagez dans quelque chose qui vous plaît, vous allez tenir bon. Et on va vous accepter avec vos émotions telles que vous êtes. Ne vous inquiétez pas avec ça. Le message, il est fort, les amis, il est poignant ici, hein. Ok, bon ben. On va aller prendre l'oracle des miroirs pour mes amis du groupe 2. Ok, je vais ranger ça, Léonard de Vinci. Waouh, j'adore la grande classe, les amis, hein. Je ne sais pas si vous avez des dons artistiques ou quoi, et pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre plus en valeur, mais moi j'ai envie de vous dire, allez-y, hein, mais clairement. Hein. Alors ici, on va laisser ce jaguar parce qu'il est magnifique, et je vais couvrir mes parfums, et vous laissez les cartes là. Alors le jaguar, on ne voit pas très bien, peut-être que finalement, je vais mettre ça ici. Hein. Il peut vous inspirer ce jaguar, hein, parce qu'il a du courage, il est fort et il attend vraiment la bonne opportunité, la bonne occasion, hein, pour se jeter sur sa proie. Lui, c'est autre chose, hein. On est dans le monde animal, dans le monde félin, dans le monde sauvage. Mais il attend le bon moment, hein. Donc il y aura pour moi, au vu de cette carte ici, parce que ça me fait penser à ça, un bon timing pour vous. Il y a quelque chose qui me vient en 4 pour vous. Comment vous me regardez, ça peut être 4 semaines. On parle beaucoup du mois d'octobre ici. Octobre. Octobre aura sa revanche. Il y aura des feuilles partout, sur les cailloux. Octobre aura sa revanche. Certainement. Allez, elle est belle cette chanson de Francis Cabrel, Octobre. Ah, moi, j'adore. Allez l'écouter, les amis. Elle est peut-être faite pour vous, cette chanson, finalement, si on me la donne. Hein.
Peut-être que vous êtes du mois d'octobre, Balance, Scorpion. Peut-être que ce mois d'octobre est un mois parfait pour vous, pour renaître, pour démarrer quelque chose de nouveau. Francis Cabrel, qui est du signe du Sagittaire. Hein. Carrefour, décision. Okay. Vous, madame. Alors, ici, je parle de la consultante, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être votre épouse, monsieur. Votre sœur, une femme importante dans votre vie. On parle d'un compromis par rapport à ce démarrage-là. Voilà. À cette action, à ce choix que vous faites en pleine conscience, ici en pleine présence. Vous avez la possibilité de changer de trajectoire, les amis, et de sortir, ouais, c'est ça, de sortir de cette instabilité. J'adore parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas rester dans cette instabilité émotionnelle, j'entends ici. Hein. Quand on parle d'émotions et de sentiments, c'est pas toujours amoureux. Hein. Ça peut concerner la famille, les amis, le boulot. Voilà. Là, c'est à vous d'appliquer dans quel domaine vous ressentez ce léger déséquilibre ici. Hein. Projet et compromis qui arrivent deux fois. Donc, peut-être trouver un compromis avec vous-même. Vous dire, bon, ok, je me lance, je le fais petit à petit. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les chapeaux de roue. Vous n'êtes pas obligé de grimper cette colline en une fois. Mais commencez déjà à vous projeter. Trouver un compromis, une négociation, un bon accord avec quelqu'un ou avec vous-même. Ça peut être aussi changer d'endroit de vie. Peut-être que vous en pouvez plus où vous êtes pour le moment. Et vous êtes en train de dire, ouais, mais bon, je dois trouver, mais je ne sais pas si ça va aller parce que tout ce que je vois, c'est trop cher, c'est trop loin. Ne vous posez pas 36 000 questions. Imaginez-vous déjà ailleurs. Nous, c'est ce qu'on a fait, hein, les amis, petite touche perso. On a déjà emballé 2 mois, 2 mois et demi avant de trouver. Hein. On avait déjà emballé des cartons. Comme on avait des problèmes d'humidité, on a été louer un box. Donc ce box, on l'a loué pour 3 mois, hein, puisqu'on avait débordé un peu sur le planning. Et je vous assure qu'après, la vie est belle. Hein. En fait, là-bas en haut, le monde en haut, il vous sent prêt et prête à faire c'est un exemple hein, maintenant si c'est pour un déménagement si c'est pour autre chose pareil mettez déjà votre petite touche c'est pas tellement en termes d'action c'est plutôt en termes d'intention nous quand on a commencé à faire ça on s'est dit ben là on leur prouve bien qu'en haut que ça ne va plus et qu'on a besoin de partir de cet endroit humide de cet endroit voilà qui était nocif et néfaste pour nous et pour nos animaux. Et ils nous l'ont accordé, on a trouvé plus vite que ce qu'on pensait, parce que vous le savez comme moi, hein, c'est pas facile hein, de trouver quelque chose, et ça demande parfois des délais colossaux. Pareil pour la vente d'une maison, pareil pour l'achat, je ne sais pas, de quelque chose que vous désirez, mais vous ramez comme tout, et vous vous dites, je l'aurai jamais. Demandez-leur un petit coup de pouce. Il y a toujours une intention qui doit être mise ici. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Et là, il est temps de créer cette intention, de trouver ce compromis avec vous en disant, OK, je ne prends pas de risque démesuré, mais je me dis en moi-même, allez, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, je fais un petit pas en avant. Et je fais mes demandes et j'y mets l'intention avec le cœur, parce que vous savez tellement bien le faire ici en plus. OK. On y va. J'adore vous faire ce genre de guidance. Vraiment, je me sens bien là avec vous. Écoutez, voilà. Et qu'est-ce qui en ressort? Vous prenez un nouveau chemin sur cet automne, que ce soit ici pour certains, ça peut aller d'octobre à décembre, mais vous prenez ce nouveau chemin, il y a bien une nouvelle route qui est dessinée pour vous, hein, et c'est une totale victoire. C'est ça. Alors, compromis. Qu'est-ce qu'on a sur le compromis? Votre santé aussi. Ne négligez surtout pas votre santé. Faites un bon compromis avec vous-même en mode, bon,
Si je veux acter des choses, je dois me débarrasser de certaines dépendances, de certaines addictions. Ça ne va plus dans ce cadre-là parce que les gens ne me respectent plus. Ok, là, il faut absolument que je m'en sorte. Tous les jours, un petit pas en avant, les amis. Et ça, c'est peut-être votre santé émotionnelle aussi, hein. Compromis, pour certains, c'est professionnel, des projets au niveau professionnel. Pour l'instant, vous n'y voyez pas peut-être clair, vous êtes en train de chercher votre voie, mais sur cet automne, on y va, hein, c'est parti, hein. Vos projets se mettent en place, les amis, hein. Alors, au niveau de l'hérédité, de vos ancêtres, de la famille ou de la lignée familiale, voilà, des gens qui vous entourent, on parle d'une chance, on parle de destin, on parle d'amis. Il y a des gens qui vous ont pointé du doigt, peut-être à l'époque, hein. Vous renouvelez votre cercle d'amis, c'est comme ça que ça. Vous changez, voilà, vous changez d'amis. Bon, on ne change pas d'amis, on ne se débarrasse pas de quelqu'un comme si on se débarrassait d'un vieux t-shirt usé, hein. Et je veux dire par là que vous avez peut-être besoin d'aller vers de nouvelles personnes. Peut-être des connaissances que vous faites sur votre lieu de travail aussi, qui vont devenir des amis. Ou peut-être des gens avantageux si vous voulez vous lancer dans le domaine de la santé, du bien-être, de l'apaisement, du soin aux personnes ici. Ça peut, c'est vaste et varié, hein, vous savez, ce domaine-là. Mais en tout cas, vous sortez de cette instabilité. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, il faut que je fasse quelque chose. Et vous actez. Vous actez, vous décidez, vous faites ce choix, vous prenez cette décision. Oui, c'est ça. Ok. Avec l'oracle de Sanka. Et puis, je vais prendre le tarot. Pour vous, je vais prendre le Lumina. Le Lumina Tarot. Avant de passer au domaine sentimental. Domaine sentimental, les amis. Attention à ce que vous prenez, hein. Surtout si pour le moment vous êtes un petit peu fragile ou sensible émotionnellement, hein. Ne prenez pas tout, hein. On est d'accord? Bon, là, il y en a trop, hein. Règle 100K de Gaël et Michaël. Je vous la montre, hein. Elle est magnifique, hein. En chacun de nous réside une dualité. Et riche de complémentarité. Vous savez très bien, vous saurez très bien où vous allez en être. Mais vous vous posez trop de questions, on vous dit, vous vous posez 1000 questions. Et parfois, c'est normal. Laissez le flot de la vie. Vous guider et votre mental s'apaisera. J'ai du mal à lire parce que il fait déjà un peu sombre. Hein. Là, au moment où je vous fais cette guidance, nous sommes déjà le soir. Et bien, je n'ai pas préparé mes lunettes, hein, comme d'habitude. Donc, en fait, on voit ici qu'il y a peut-être pour le moment une dualité où vous vous posez beaucoup trop de questions. Demandez à vos guides aussi de vous aider. On parle d'équilibre à retrouver ici. Donc, vous m'étonnez que vous êtes touché émotionnellement, hein, si en vous déjà, vous ne savez pas où vous situez. La vérité, elle réside en chacun de nous, hein, ce qu'on me dit. Votre vérité, elle réside en vous. Ici, il faudra aussi peut-être faire un petit rééquilibrage du masculin, du féminin sacré. Mais ça va se faire pour moi sur cet automne. Hein. C'est l'histoire de 2 mois ici. Hein. Es-tu prêt à partir pour un long voyage ou peut-être penses-tu à déménager? Incroyable. Hein. Il y a un mouvement positif qui se profile à l'horizon. Tout vient à point. Saisis cette nouvelle aventure qui s'offre à toi. Donc tout vient à point. Vous avez dit qu'il y aurait un timing divin, les amis. Ici, on me parle encore du 10. Le 10, pour vous, c'est un cycle qui se termine, un nouveau qui commence, et on me reparle du mois d'octobre. Peut-être que même sur la fin octobre, hein, vous allez enfin trouver cet endroit où vous allez pouvoir enfin partir, que ce soit dans un autre pays, que ce soit dans un autre département, que ce soit un autre logement pour votre personnel, mais en tout cas, voilà.
Ok, mais c'est très beau. En fait, je pense que cette dualité, elle est passagère. Sur cette période d'automne, ça va être bien de laisser partir certaines choses, comme je l'ai dit au début dans l'intro, pour se ressourcer en fait, pour reprendre de nouvelles énergies. On passe à un autre cycle, hein, le cycle d'été, d'automne complètement différent. Donc, on se doit d'évoluer avec ces cycles saisonniers aussi, les amis, puisque là, le temps va être un peu plus sombre, un peu plus frais. Il y a de très belles couleurs en automne. Moi, j'aime beaucoup cette période-là, mais il faut savoir que ben, ça joue aussi sur nos énergies, hein. Ok. Après, l'hiver, je suis d'accord avec vous que l'hiver, c'est pas ma période préférée, mais il y a des gens qui adorent l'hiver parce qu'en fait, ben, ils vivent dans un endroit où l'hiver, par exemple, ils peuvent aller skier. Où ils peuvent faire des belles randonnées en montagne, il y a de la neige, c'est joli, on se couvre bien, mais il y a du soleil, vous voyez. Mais quand on passe des hivers maussades comme ça, je peux comprendre que le moral est aussi attaqué, est abaissé. Donc ne laissez surtout pas ce changement de saison vous pourrir la vie, hein. Commencez déjà à travailler sur vos énergies maintenant, les amis. C'est important. Pour toutes les personnes qui ont peur de ce passage à l'automne, n'hésitez pas aussi à contacter mon mari si vous avez besoin d'un soin ou quoi que ce soit, parce que là, je pense que ça va être important, hein, au niveau émotionnel. Quand vos émotions seront apaisées, équilibrées, vous allez pouvoir profiter de ce moment en conscience et avec beaucoup, beaucoup d'amour, en fait, je sens ici. Demoiselle de bâton. Ok. La justice. Okay. Des nouvelles qui vous parviennent de la justice ici, les amis, ou une situation injuste qui arrive à son terme. On parle de sécurité avec le 10 de denier et on parle de roue de la fortune. Donc il y a peut-être ici des retours en justice qui vous permettent, pardon, d'obtenir gain de cause, d'avoir ce que vous demandiez au niveau pécunier. Ça peut être aussi, vous savez, de l'administratif, vous quittez un boulot et vous avez besoin d'y voir clair. Et vous devez contacter les ressources humaines, il vous manque des documents, on vous doit un pécule, on vous doit une prime ou quelque chose comme ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit ici que les nouvelles, elles arrivent, elles vous sont profitables, hein. Et tout ça ici dans les 2 mois, hein, pour ceux qui me regardent, hein. Je dis bien dans les 2 mois, ça peut être plus tôt, hein. Ok, on a la tour, hein, donc il y a bien vraiment quelque chose de bouleversant, mais on a le 4 de bâton derrière la tour. Donc vous allez trouver l'endroit de vos rêves, vous allez trouver le territoire de vos rêves, vous allez obtenir gain de cause peut-être dans une affaire en justice. Mais tout se passe bien parce que tout revient dans l'ordre. Il y a une espèce d'équilibre dans le 4 de bâton. Le 4, c'est vraiment la structure solide ici. Et ici, on peut nous parler du foyer ou du professionnel ou même du cercle de gens qui transitent autour de vous avec qui vous allez vous sentir bien. Si ce n'était pas le cas, eh bien voilà, ça va changer aussi. Ok, le 10 d'épée, ouais, ça vous permet d'achever, de parachever un cycle pour qu'on commence à un nouveau avec des énergies magnifiques, ces énergies de lion, ces énergies de force, de courage, de volonté. Ok, waouh. Après, on vous dit que les choses vont s'accélérer pour aller vers vraiment plus de joie, hein. Donc, j'ai l'impression que pour vous, le mois d'octobre, c'est plus une préparation. Et après, tout va s'enchaîner assez vite, hein. Je vais aller couvrir la tour, les amis. J'en ai deux. On veut qu'une, hein. Oui, et là aussi, on a du 4. Peut-être que vous avez peur aussi d'être déstabilisé au niveau pécunier et financier. Et c'est tout à fait sain, à un moment, quand on perd son job ou quand on change d'orientation, d'avoir peur. Mais à un moment, si vous tombez trop dans la peur, vous perdez totale confiance en vous. Et on vous dit ici, non, tu n'as pas à avoir peur, les choses vont bien se passer. Tu es juste en train de terminer un cycle, mais vous voyez la différence entre le 10 d'épée et le 10 de denier? Ah ben, je vous assure qu'il y en a une de différence, hein. Si vous aimez les animaux, vous pouvez avoir ces animaux guides aussi qui vous donnent cette force, hein. Ici, on a le lion, on a l'ours et on a... Il y a une carte par terre. Et on a le... Pardon.
Le lion, l'ours et le jaguar, les amis. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici? Ah, c'est ça, on me l'indique. Hein. L'ermite et le 2 d'épée. Vous êtes en train, là, pour moi, de faire le bilan. Vous êtes en train de vous recentrer. Vous êtes en train de savoir qui vous êtes. Parce qu'à un moment, vous étiez dans beaucoup trop de réflexion, de mentalisation. Et là, vous faites ce travail. S'il vous est impossible de le faire seul, n'hésitez pas à me contacter, les amis. On trouvera toujours une solution. Il y a quelque chose vraiment ici en vous qui est prêt à se manifester. Vous êtes prêt à bondir, mais on vous dit de ne pas prendre de risques démesurés. C'est une analyse que vous devez faire en vous et uniquement en vous. Et là, regardez celle qui est tombée. 6 de bâton, la victoire. Donc là, vous allez vers le succès. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui nourrissent vraiment, qui vous nourrissent par des peurs, par des craintes, des angoisses inutiles. Vous êtes aussi capable que quelqu'un d'autre que d'arriver à votre but, les amis, hein. On est bien d'accord ici. Alors, pour le sentimental, le tarot de l'amour. Très beau message pour vous, pour cet automne, mes amis. Hein. Je range tout ça. Ouais. Tarot de l'amour de Tony Carmine et Salerno. Ensuite, je vais prendre pour vous. D'accord. Il fera du cœur, je pense. Et puis à la fin, ce sera le signe ascendant lunaire ou votre Vénus, qui toute cette partie-ci vous parle, parce que vous êtes des êtres très sensibles. Et les amis, regardez ce qui est tombé à terre. C'est une blague ou pas? La peur. Aussi la peur peut-être d'aimer. La peur peut-être de ne pas être aimé aussi. Vous voyez ce genre de sentiment? Et ça, vraiment les amis, ici, on me dit bien que dans les 15 jours, il faudra y travailler. Vraiment, dans les 15 jours à 3 semaines, ça va être important. Cavalier de bâton, aventurier. Oui, sortez de vos anciens schémas. Ayez plus confiance en vous. Le cavalier de bâton, il a confiance en lui. Il y va. Hop, on part à l'aventure ici. Élan, 8 de bâton, incroyable. Donc, voyez la différence. Ici, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus. Et regardez ici, on a un arbre qui est en train de perdre ses feuilles. Hein. C'est vraiment ça. Il y a une manifestation ici pour vous qui arrive. Vous êtes en pleine transition, même dans le domaine amoureux. On se cherche, on se dit mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je n'arrive pas à trouver le partenaire idéal ou la partenaire? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous vous posez beaucoup trop de questions. Laissez les choses se faire. Hein. On a l'émergence ici. Je vous dis de nouveaux sentiments. Alors attendez. Ouais, vraiment, vraiment. Je pense que si vous travaillez sur ce déséquilibre en vous, sur cette dualité-là, qui vous fait du mal au final, hein, parce qu'on voit que vous êtes des personnes très sensibles, je vous assure qu'après, ça va être d'une beauté. Là, on voit vraiment qu'il y a une renaissance. Hein. Ok. Bon, après les chakras du cœur, les amis, et puis on verra. Hein. Implication. Vous devez vous impliquer. Je vous ai dit dès le départ, vous devez vous engager aussi, les amis. Vous engager sur une nouvelle voie et vous y tenir. Ne pas partir dans tous les sens comme vous le faites d'habitude. Allez tout droit, chemin et voie du milieu. Le monde d'en haut vous encourage à vous engager dans une nouvelle voie qui vous plaît beaucoup mieux, aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau général. Mais ne pas avoir peur de ce qui va suivre. On vous demande de garder la foi ici, les amis. Et là, il y a une rencontre, où il y a un rapprochement, il y a une étreinte, il y a quelque chose. Hein. Voyez, tout ce travail que vous faites ici ne sera pas en vain, ne sera pas pour rien. Ok, les loulous, on va passer au chakra du cœur, et puis on prendra vos signes. Vos signes, chemin de vie à l'île personnelle, et s'il n'y a rien de tout ça, comme d'hab, c'est la guidance qui doit résonner le plus pour vous. En tout cas, je vous assure que les efforts, pour ceux qui me regardent maintenant, que vous allez faire sur l'avant-automne,
ça peut même être sur les 3 semaines, voilà, qui viennent, vont être importants. Parce qu'il faut s'accrocher hein, quand les saisons changent. Hein. Regardez ici, d'habitude, je fais une guidance, il fait clair, et là, hyper sombre, quoi. Alors qu'il est quoi? Il est même pas 20 heures, hein, vous voyez, hein. Peine, quoi. Alors, on vous parle d'une rupture. Ok. Une rupture qui a eu lieu pour certains il y a 2 semaines, 2 mois, un peu plus de 2 ans ici. Mais on vous parle aussi de rencontres par synchronicité dans les semaines qui viennent. Ok. Cette rencontre, elle va se faire quand vous allez vous déplacer, hein. Quand vous prenez de la distance avec l'environnement actuel dans lequel vous êtes. C'est pas pour rien que les guides vous poussent à déménager, à bouger d'endroit, à changer de vie professionnelle, à changer de cercle amical. C'est pas pour rien, hein. Adieu la routine, on vous dit donc. Vous avez vraiment besoin de sortir d'une zone de confort, les amis. Ouais. Mais, à nouveau, les peurs. C'est incroyable, hein? Vous avez peur pour votre bien-être. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le passé, mais il est temps d'y travailler sur ces peurs, hein. Rencontre par le travail, rencontre professionnelle. Donc, même si vous changez, d'emploi, si vous changez de firme, ça vous fait peut-être peur. Mais peut-être que c'est comme ça, que vos guides vous préparent tout ça pour cette rencontre qui arrive, hein. C'est inouï, hein, les amis. J'ai jamais vu autant de précision. Autant le 1 était magnifique, autant chez vous, on appuie vraiment toujours sur les mêmes choses ici, hein. Oui, ben oui, c'est ça. Vous étiez dans une relation karmique, mais qui n'était pas bonne pour vous. À l'époque, je parle, hein. Si maintenant vous êtes en couple depuis un moment et que ça va bien, ne prenez pas ces messages. Et c'est pour ça qu'en fait, on attend que vous travailliez sur encore peut-être cette tristesse, cette colère, cette rancune, pour vous amener quelqu'un de nouveau sur votre route. Oui, parce que vous avez une douleur émotionnelle à libérer, à guérir, à travailler ici. Vous devez travailler sur une blessure peut-être d'humiliation pour certains. Mais on vous dit, il est temps là de prendre une autre voie. Il est vraiment temps, hein. Ici à l'aube de l'automne, les amis, je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter, hein, s'il y a quoi que ce soit, mais je vous assure vraiment, j'insiste, hein, parce que là, ils me font insister, hein. Ok. Parce que c'est bien d'être fragile et sensible, mais c'est pas pour ça qu'on doit déprimer, surtout le long, hein. Voilà, c'est clair. Alors, vos chemins de vie et personnels, les amis. On a peut-être des signes d'eau ici, du coup, hein. J'ai beaucoup de bleu, je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, même parfois des larmes de colère, vous voyez. Allez, on y va les amis, on va pas y passer la nuit. Chemin de vie, maître nombre 11, chemin de vie, année personnelle 2, okay. Chemin de vie, année personnelle 7, chemin de vie, année personnelle 6. Voilà, et s'il n'y a rien de tout ça, pas de soucis, hein, les amis. Pas de soucis. Celle-ci, elle veut venir depuis un petit temps. Nos amis scorpions. Ok. Nos amis scorpions. Ascendant lune ou même le Vénus, si le reste vous a parlé. Nos amis Verseau. Nos amis sagittaires d'amour. Mais sagittaires, je vous sentais. Je vous ressentais là. Incroyable. Et mes amis balance, bah forcément, on a eu 2 fois aussi la carte de la balance, de la justice. Donc, scorpion, balance, verso, sagittaire, solaire, ascendant, lune ou Vénus. Je vous embrasse très fort, les amis, je vous envoie beaucoup d'amour. Ne prenez que ce qui a résonné, hein. Si vous n'êtes pas dans cette situation de fragilité émotionnelle, ne prenez surtout pas ces messages de grâce, hein. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour mon groupe numéro 3. Alors on se retrouve pour votre guidance, pour voir comment va se passer votre prochain automne. Donc je répète, c'est un intemporel. Peu importe quand vous regarderez la vidéo, si c'est maintenant, si c'est sur ce printemps prochain, peu importe finalement.
Je vais commencer avec l'oracle du chaman mystique et on va voir ce qu'on a pour vous ici. Il y a beaucoup de cartes et les cartes sont assez épaisses. Je rebrasse bien tout ça. Ok, on y va. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? On a le 3 en duine. Oh, on l'a eu dans un des groupes, mais tout à la fin, en dos du deck. La 3 en duine. On va voir s'il y en a encore une qui veut venir. L'être aimé. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Et en dos de deck, on a le maïs, les amis. Je vais vous la mettre. Voilà. Alors, la croix en duine, l'être aimé et le maïs. Alors, la croix en duine nous parlait de nouveautés. De nouveautés pour vous ici sur votre chemin, pour cet automne. Je vais aller la reprendre. La croix en duine qui est la numéro 2. Alors, annonce le début d'un grand voyage. Il est temps d'élever votre regard du quotidien terre à terre vers ce qui jusqu'à présent vous a semblé impossible ou hors de portée. Laissez la nouvelle sagesse vous guider et cessez d'essayer de donner un sens à tout cela avant de répondre par un oui retentissant. Donc on vous dit, il y a un nouveau voyage qui vous attend et vous pouvez dire oui. Vous pouvez sortir de votre zone de confort, vous pouvez oser tenter cette expérience vers la nouveauté, hein. On vous dit qu'il y aura un temps aussi, les amis, un temps pour ce nouveau départ. Après, je vais aller voir si on peut nous donner une période. Mais en tout cas, vous préparez un nouveau départ. À mon avis, vous ne serez pas seul non plus dans ce nouveau départ. Hein, parce que quand on voit l'être aimé, mais oui, on a bien compris ce que ça veut dire. L'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez, l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Ah, on vous dit aussi de faire attention avec l'amour romantique. Le genre d'amour qui vous transporterait ou vous anéantirait. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leur vraie nature. Donc, on vous dit ici qu'il y a bien quelqu'un pour vous sur ce chemin, que cette personne... Vous l'avez peut-être idéalisé, ah, la personne romantique, charmante, etc., etc. Mais qu'il ne faut pas trop non plus mettre la barre haut parce que vous risquez d'être déçu. Si vous êtes déjà en couple, moi je pense que voilà, ou si cette personne vient d'arriver dans votre vie, ce voyage, vous le faites à deux ici. Hein. La carte du maïs, c'est la récolte, hein, tout simplement, les amis. Hein. C'est la récolte, c'est l'abondance. Ok. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Et je reprends les amis parce que je ne sais pas pourquoi ma caméra a coupé. J'ai peut-être touché un truc, je ne sais pas. Donc on vous dit... Donc l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance, que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune avec les autres. Et oui, les amis. Donc, on vous dit ici que si vous avez durement travaillé, que vous avez galéré,
que vous avez été célibataire pendant très longtemps aussi, il y a bien quelqu'un, si c'est amoureux, ça peut être une récolte, bien sûr, une abondance amoureuse, mais si c'est du travail proprement dit, on vous dit que vous allez récolter ici sur cet automne. Hein. Bon, écoutez. Oui. Alors, je vais aller prendre une carte de l'esprit de la forêt. Donc, poursuivez ce chemin, même si de temps en temps vous avez des difficultés, même si de temps en temps vous avez envie de baisser les bras, ne vous laissez pas démonter. Il y a quelqu'un qui vous soutient aussi. Alors, si c'est pas quelqu'un à côté de vous, ça peut être un ange gardien, ça peut être quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un de la famille qui a rejoint l'au-delà et qui est là pour vous guider. Vous méritez cette récolte dans ce groupe-ci, parce que je sens que ça n'a pas été facile. Hein, ça a été un chemin de croix, hein, c'est le cas de le dire. Ok. Alors, l'homme vert, initiative, fertilisation, action. Elle est magnifique. Donc, on vous dit bien que vous avez ce projet que vous voulez mettre en place, hein, si ce n'est pas encore fait, ou ce projet, ou ce travail que vous faites pour l'instant, cette réalisation, elle est fertile. Vous allez pouvoir passer à l'action, les amis. C'est magnifique. La Volva, prophétie, conseil, direction, carte 33. Ok. Vous voyez, ici aussi, on a des couleurs automnales. Hein. Regardez, elle a des feuilles dans ses cheveux. Vous êtes carrément guidé ici, les amis. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais vous êtes carrément guidé. Je peux avoir dans ce groupe-ci des conseillers de toutes sortes finalement. Hein. Ça peut être des conseils financiers, ça peut être des conseils thérapeutiques. Vous êtes là pour guider les autres parce que vous-même, vous êtes grandement aimé là en haut, hein. Honnêtement. Hein. On veut vous récompenser pour le travail acharné que vous avez fait parce que, regardez l'air qu'elle a cette femme. Elle ne se laisse pas décourager. Et ça, c'est une qualité que vous avez ici. Guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. C'est un peu l'énergie de l'impératrice. Attention, douceur, nourrisseuse, guérisseuse. Il y a peut-être aussi des personnes qui travaillent dans le magnétisme, dans l'énergétique, dans tout ce qui est aide à l'autre, dans tout ce qui est bienveillance à l'autre ici. Prenez hein, par rapport au métier que vous faites, parce que je sais qu'il y a des métiers tout à fait honorable, style les personnes qui portent soin aux personnes âgées, style les personnes qui prennent soin des petits bébés. Hein. De là, on parlera des personnes qui gardent les enfants, qui travaillent comme péricultrices. Enfin voilà, prenez par rapport à ce que vous faites. Mais vous avez plus d'énergie et plus de conseils sages à donner que vous ne le pensez ici. En tout cas, c'est ce qu'on va vous guider à faire. Alors, je vais regarder un petit peu. Pour vous, j'ai vraiment la notion, à partir du moment où vous regarderez cette guidance, j'ai la notion de 5 à 6 semaines, tout au plus. Où là, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur le bon chemin et que vous vous apprêtez à récolter. Ça peut être entre 4 à 6 semaines. Ok. On va aller prendre une carte de l'oracle des runes. Vous savez, les amis, quand vous savez que vous faites le bien autour de vous, ne vous laissez pas démonter par des rageurs. Hein. Moi, je les appelle les rageurs. C'est ce que je vis un petit peu en ce moment. Qui n'ont rien d'autre à faire que de venir toujours critiquer. Pardon. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Si vous savez que vous faites le bien, continuez. Ne vous attardez pas là-dessus. Quoi que vous allez dire, quoi que vous allez faire, il y a des gens qui vont vous aimer.
qui vont vous écouter, qui vont vous suivre, et il y en a d'autres qui vont toujours avoir ce malin plaisir de vous critiquer, de vous d'essayer de vous mettre à terre. Et en fait, dites-vous bien que non, en fait, vous avez plus de force que ça. Vous avez le cœur rempli d'amour ici, les amis. Je le vois là, vraiment. Hein. Et vous voyez, quand on vous dit que vous êtes nourrissant, nourrisseur, plein de grâce, ça me fait penser vraiment avec ce maïs, le maïs avec lequel on fait du blé, avec lequel on se nourrit. C'est vraiment ça. Vous êtes à l'aube d'une récolte et d'une belle réalisation, les amis. N'en doutez pas un instant. Hein. Avec les runes, qu'est-ce qu'on a? On a Ewaz. Regardez, je vous la montre. Là, vous ne me direz pas, les amis, qu'on ne voit pas bien les cartes. Hein. On est bien d'accord. Hein. Parce que là, je le vois à mon écran quand même qu'on voit, on voit bel et bien les cartes, les amis. Hein. Parce que ça aussi, j'ai eu un. Hein. Ok. Je cherche mon petit livret pour Ewaz. J'ai très envie d'aller voir ce que ça peut vous dire ici. Ewaz, 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 l'hôtel. Ewaz représente la fin. Mais on vous dit que la fin vient toujours avec un nouveau départ. Une chose disparaît de votre vie, mais elle va bientôt être remplacée par une autre plus forte et plus pertinente. Cette carte symbolise l'arbre, en fait, le if. Ben, c'est vraiment la structure de l'arbre, ici, la solidité. Connu d'ailleurs l'arbre pour sa force, son endurance, son incroyable longévité et sa capacité à se régénérer à l'intérieur de son propre tronc. Vous devez laisser certains aspects de votre vie et de vous-même, et c'est vos propres suppositions, s'évanouir naturellement. Soyez patient, lâchez prise et permettez à votre nouvelle vie de prendre racine. Si la notion de fin et de mort est ici prédominante, la carte évoque également l'endurance, la fiabilité, l'enthousiasme et la possibilité d'une renaissance. Vous vous transformez de l'intérieur et vous ne devez pas entraver ce processus ni insuffler la vie dans ce qui meurt en vous. Vous entrez dans une phase de force, de vitalité et de puissance personnelle renouvelée. Et oui, c'est ça. Alors là, bravo les amis, parce que peut-être que pour le moment, au moment où vous me regardez, vous avez l'impression de mourir un peu à vous. Vous avez l'impression que vous allez baisser les bras. Vous avez l'impression que vous allez vous décourager. Et en fait, il est rien de tout ça. Laissez ces énergies passer. Je sais que c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle de se sentir. On se demande ce qu'on fait là. On se demande si on est utile pour les autres. Tout ce long questionnement, c'est aussi le processus de transformation ici. Et là, on voit, oh, regardez, on a Wunjo qui vous parle de joie, de positivité, de récolte, de succès, de bonheur ici. Bon, ben écoutez les amis. Moi, j'ai pour vous, hein, je vais vous dire franchement, j'ai beaucoup le mois de novembre, hein. Je vais être honnête avec vous. Que ce soit début ou sur la mi-novembre, j'ai beaucoup le mois de novembre pour vous. Ça va être un mois très important. Ouais. Pour cette récolte, pour cette renaissance ici. Ça peut être tout début novembre, bien sûr. Hein. Mais peut-être même ce sera déjà sur la fin octobre. Mais c'est vraiment entre fin octobre et mi-novembre ici. Ok, les amis. C'est très joli, hein. Très joli ce que je capte pour vous. Vous pouvez être fiers de vous. Ne vous rabaissez pas, ne vous... Pour personne, en fait. Ce que vous avez travaillé, ce que vous avez fait durant tout le long va vous servir, va vous être utile. Il y a peut-être quelque chose à adapter, quelque chose à changer, à transformer. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes en train de changer et ça ne plaît pas à certaines personnes.
Parce que pas l'habitude de vous voir comme ça, pas l'habitude de vous parler, de vous voir parler comme ça. Peut-être qu'à un moment, vous en avez marre de dire les choses tout doucement, tout gentiment, et puis qu'en fait, ben, les autres n'en ont rien à faire et continuent de plus belle. Peut-être que là, vous allez vous affirmer, les amis. Mais vous pouvez être fiers de ce que vous êtes en train de faire, vraiment. Moi, je vois un projet à deux ici. On me dit entre le mois de mai, je sais que je vois loin, hein, mais ça peut être sur le mois de mai de l'année prochaine, entre février et mai ici. Ou entre 2 à 5 mois. Il y a un projet. Un nouveau départ avec une nouvelle personne, un projet voyage avec l'être aimé, un projet déménagement, un projet expatriation, un projet on entreprend une autre voie au niveau professionnel. Vous voyez? Je ressens vraiment tous ces changements pour vous ici. Ah oui, je vais encore vous prendre une carte de l'oracle du Scarabée d'or, les amis. Vous les mettre là. Comme ça, on peut encore les voir parce qu'elles sont vraiment très jolies. Je vais éternuer. Vous faites un vœu, les amis. Hein. Non. Je me dis à mes souhaits, mais je vous dis à vos souhaits aussi. Il y en a peut-être derrière leur écran qui, comme moi, sont en train d'éternuer. C'est possible aussi. Hein. Ok. Le très bel oracle du Scarabée d'or. J'espère que vous appréciez la guidance. N'hésitez pas à me lire en commentaire. Pour tous les rageux, les haineux qui reviennent sur ma chaîne depuis un moment, c'est pas la peine, les amis, passez votre chemin, hein, parce qu'il y a des moments où je vous assure que c'est du lourd, hein, c'est du lourd. Pour tous ceux qui veulent faire un petit don à la cagnotte Litchi, pour que je puisse m'améliorer aussi sur ma chaîne en termes de son, de luminosité, le fait que vous verrez peut-être mieux les cartes, n'hésitez pas à faire un petit don sur mon PayPal ou sur ma cagnotte Litchi. Non, je ne demande pas tout le temps des euros, hein, parce que j'ai encore un commentaire. Je demande tout le temps des euros. Alors on me met entre parenthèses boutique, site, etc. Ça n'a rien à voir. Ma boutique et mon site, c'est mon travail, donc c'est normal que j'en parle. Je vois vraiment pas le rapport, mais bon. Il faut tout pour faire un monde, hein, les amis. J'ai répondu à cette personne. Que là, il y a des gens, ils viennent, ils prennent pendant des mois, des années, et puis ils viennent se plaindre encore, quoi. Donc là, ça va un petit peu trop loin. Alors on me dit, oui, Valérie, ne fais pas attention à tous les commentaires, mais je n'y prête pas attention, hein. En général, je zappe, je supprime, etc. Mais parfois, on est dans une période aussi où on a besoin d'énergie positive, et il y en a qui se donnent un malin plaisir à nous envoyer que du négatif. Et ça, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça me saoule, ça fait plus de 4 ans que c'est comme ça. Je me suis remise en question aussi, hein, parce que j'estime que ces gens-là aussi ont peut-être des difficultés, ont peut-être des peurs sociétales, ont peut-être marre de la vie qu'ils mènent, mais ne veulent pas changer. Donc ne projetez pas vos peurs et votre haine sur les autres, tout simplement. Les gens qui veulent être bien, qui ont des beaux messages ici, mais laissez-les tranquilles et laissez-moi tranquille en même temps. Hein. OK? Être gentille et douce, et je le suis, hein. Je suis quelqu'un qui a un grand cœur, mais il faut pas abuser non plus, hein. Alors, les rituels, les amis. Je rythme ma vie avec des rituels porteurs de sens. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez plus fait de rituels. De méditation, de rituels à la lune, de demandes à l'univers, de vous créer un petit autel sacré, des choses comme ça. Et ici, on vous dit que ça vous ferait du bien. De remettre en place ces petits rituels. Vous voyez, par exemple, tous les matins, et d'ailleurs, moi, je vais le refaire parce que c'est vrai que j'en aurais peut-être besoin de ça aussi. Tous les matins, si vous avez un petit oracle comme moi, je l'ai avec la sagesse de l'Oponopono, c'est important pour vous ici, c'est pour ça que je vous le dis, hein. Ou la sagesse du bouddhisme ou quoi, prendre une petite carte. Et cette petite carte, elle va rythmer votre journée, mais d'une façon très positive. Allumer une bougie, faire vos demandes. Ça, peut-être que vous le faisiez avant, mais peut-être que
Voilà, un petit peu plus de stress ou et vous ne le faites plus. Et ici, ça va vous faire un bien fou, les amis, hein. La guérison, carte 33. C'est déjà deux fois qu'on a la 33, les amis, ici, hein. C'est peut-être un signe aussi, hein. Je me laisse infuser par l'étincelle d'amour qui guérit. Ouais. Je répète, hein, vous avez quelqu'un près de vous qui vous aime beaucoup, ou quelqu'un là en haut qui vous protège et qui vous aime, et qui veut que vous guérissiez et que votre cœur puisse à nouveau s'ouvrir complètement ici. C'est beau. Le talent, en plus on dit que vous avez du talent, les amis. J'offre la joie de révéler au monde mes talents uniques. Vous avez du talent, alors exprimez ce talent. Ne laissez pas les autres dire que vous n'en avez pas. Créez des belles choses. Vous avez envie de créer? Allez-y. Allez-y. Mettez votre petite touche personnelle, pourquoi pas. Votre travail va être récompensé. Tous les efforts que vous avez mis en place. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être des efforts sur votre chemin de guérison aussi que vous avez mis en place. Eux, ils le savent là en haut. Vous savez quoi, les amis? Je vais aller vous chercher les maîtres ascensionnés parce que j'ai deux fois le 33. Et la vibration du 33 se réfère au maître ascensionné. J'ai l'impression qu'il y a un message pour vous ici. Ok? Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, ok. Alors, ne vous laissez surtout pas, les guides insistent, hein, ne vous laissez surtout pas décourager. Que ce soit dans une situation amoureuse, professionnelle, sur votre chemin de développement personnel. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sur la bonne voie. Si vous vous posiez la question, vous êtes sur la bonne voie. Père, mari, frère, fils, avec Osiris. Il y a quelqu'un d'important pour vous ici. Votre mari, votre frère, votre fils, votre père. On a ici le masculin sacré, l'être aimé peut-être pour certains. Ok. Cette personne vous aide. Demandez-lui de l'aide, peut-être à cette personne, si elle a des compétences particulières aussi. Demandez-lui de l'aide. Hein. Je suis sûre qu'elle est là pour vous aider. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le pouvoir de la joie avec Maitreya. Regardez comme c'est beau. Regardez comme ce bel arc-en-ciel ici. Oh, il est magnifique. Ok. Écoutez votre cœur, vous dit Saint François. Écoutez votre cœur. Il y a de la joie qui arrive, mes amis. Et vous ne serez pas seul. Et on vous dit bien que c'est parce que vous avez persévéré. Hein. Vous n'avez rien lâché. Hein. Vous êtes en train d'encore mettre des efforts en place. Alors, on vous encourage vraiment ici à y aller. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Ok, les amis. Bon, ben écoutez. C'est vraiment très, très bon. Vous prenez un autre chemin. Mais c'est pas si bousculant que ça, même si vous êtes en transformation, parce que vous savez que c'est pour le meilleur. Vous le savez au fond de vous ici. Je vais prendre le tarot. Ah non, avant de prendre le tarot, je dis n'importe quoi. Je vais aller prendre l'oracle des miroirs, comme je l'ai fait pour les autres personnes. Vos amis des deux groupes avant. Ok, les amis, on y va. Et ensuite, j'utiliserai pour vous le tarot onirique de Ciro Macchetti aux éditions Exergue. Vous allez chanter, les amis, vous allez sauter de joie. Il y a une chose qui se prépare là, de magnifique, de magnifique. Possibilité de voilà de décider mais uniquement pour vous. Alors il y a un groupe qui l'a eu mais pour vous je le sens dans une autre énergie. Vous allez pouvoir décider agir. Peut-être que vous n'aviez pas les moyens avant et maintenant vous allez pouvoir agir. Suite à une décision, que ce soit votre propre décision, que ce soit une décision qui arrive, une nouvelle, quelque chose de l'extérieur.
parle de vous, madame. Okay. La consultante, ou pour vous, monsieur, d'une dame importante. C'est peut-être vous, le père, le mari, le frère. Enfin, voilà. Ok. Bon. Oh. Bon, on a l'argent. Donc, c'est possible qu'au niveau financier, ça s'arrange pour vous s'il y avait eu des soucis. Peut-être que le fait d'actionner quelque chose de nouveau dans votre vie, de mettre les bouchées doubles, on va dire ça comme ça, de continuer vos efforts, ou peut-être que vous attendez un rendu ici. Ah, ça peut être un rendu de justice, ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui vous doit de l'argent. En tout cas, l'argent est là. Voilà, vous récoltez les amis, hein. Vous ouvrez la boîte au trésor ici. On parle de loi, donc on parle d'équilibre, d'harmonie, mais on parle aussi. Vous voyez, cette balance, ça peut faire référence à cette décision, à ce jugement, à la justice ou quoi. Mais ça peut aussi être un équilibre, une harmonie qui revient ici. On a l'étranger, les terres inconnues, ou peut-être quelqu'un d'origine étrangère qui croise votre route et qui vous aide ici à continuer votre beau chemin, là. Attendez, j'avais le changement, mais j'en ai de trop, donc. Comment prendre une... Il y en a de trop. J'en veux une pour terminer, finaliser ce tableau. Ah non. N'hésitez pas à aller vers l'inconnu aussi, hein, c'est ce que ça peut vous dire, hein. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Ou pour ceux qui veulent partir, ben voilà, et qui veulent prendre de la distance, eh bien, c'est ce qui va se passer. Il y a peut-être des choses à régler au niveau administratif. Passeport, visa, pièce d'identité. Demande à l'ambassade, vous voyez des choses comme ça pour partir. Et madame, qu'est-ce que je vous avais dit? Ou monsieur, vous ne partez pas seul. On a à nouveau le couple ici. Hein. Il est possible qu'il y ait eu des blocages dans votre professionnel ou du retard, mais on vous dit que c'est terminé. Ici, les choses changent. Vous allez vraiment de l'avant. Le voyage, c'est aussi un mouvement. Les choses commencent à bouger pour vous ici, les amis. Hein. Okay. C'est beau. Hein. Pour moi, c'est une décision que vous prenez. Il y a une espèce de, peut-être un espèce de ras-le-bol. Vous dites, ok, maintenant j'ai les moyens de partir, ou j'ai les moyens de me payer, je ne sais pas moi, comment dire, cette voiture, ce bateau, j'en sais rien. J'ai les moyens de me payer cette formation. Pour activer quelque chose de supplémentaire dans ma vie, vous allez le faire. Parce que votre but, c'est de quitter ce que vous connaissez déjà ou de changer, de transformer votre situation actuelle en quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein. Naissance. Naissance après la sensation d'être bloqué et l'amour arrive dans votre vie, les amis. Ok, où l'amour est là, présent, et c'est avec cette personne que vous allez prendre cette grande décision cet automne. Je le sens plus le mois de novembre, je vous l'ai dit là tout de suite, mais je vous le redonne, où la décision est prête, est prise. Et regardez, hein, c'est pas anodin vraiment. Hein. Je voulais dire, votre décision est prise et j'ai eu le mot prêt et prête. Donc on me dit que vous allez être prêt et prête à acter ce changement dans votre vie. C'est incroyable. Hein. Oui, alors je dis pas pour ça que vous êtes parti. Si vous voulez changer de pays, déménager, changer de job ou quoi, que tout va se faire en une semaine, que sur début novembre, vous prenez cette décision et que mi-novembre, c'est réglé. Je dis juste que au mois de novembre, vous allez vous sentir prêt à mettre ces choses en place, tout simplement. Ok. Le tarot onirique pour mes amis. C'est tellement joli, vraiment. Du groupe 3. Bien sûr, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, les loulous. Si ça n'a pas de résonance là,
Voilà, où vous revenez peut-être sur cette guidance d'ici, pour ceux qui me regardent maintenant, d'ici une semaine ou deux, hein, pourquoi pas. Hein. Mais s'il n'y a pas de résonance, vous ne forcez rien. Okay. Intemporel, mais ça reste une guidance générale, bien sûr. Hein. Fils de Denier avec la lune en taureau. L'as d'épée, ouais, c'est ça. C'est ça, les amis. Hein. L'as d'épée, vous prenez la décision. Vous prenez une grande décision. Le 6 de denier, c'est une décision d'aller plus vers quelque chose où il y a de l'entraide et du partage. Où l'argent rentre, part, revient, repart, vous voyez? Où on s'entraide, ça peut être dans un collectif, dans une communauté, bien qu'on ne s'entraide pas tous dans les communautés et encore moins sur les réseaux. Hein. Mais ici, il y a vraiment une espèce de donner et de recevoir. Parce que vous avez donné de votre temps, de votre énergie, mes amis, vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui se prépare. Je ressens beaucoup la présence de l'archange Michael ici pour vous. Hein. La force, waouh! La force avec nos amis Lyon ici. Le jugement avec Pluton, les amis. Waouh! La renaissance. Vous allez renaître avec une de ces forces. Rien ne vous arrête. J'ai envie de dire ici, on a des personnalités bien trempées. Rien ne vous arrête, ni personne ne vous arrêtera sur votre chemin. Si cette décision, vous la prenez en âme et conscience, que c'est fait, que c'est acté dans votre tête, dans votre cœur, surtout, hein, parce que les deux doivent être en symbiose, j'ai envie de dire, rien ne vous arrêtera. Vous êtes à l'aube d'une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce qu'on avait dit en formation de tarot avec Sandra? Faire peau neuve, c'est ça en fait. Vous faites peau neuve. Je dis ça parce que je suis pour l'instant en formation au tarot et on a vu cette très belle carte du jugement notamment. Et il y a d'autres mots qui nous sont venus, donc voilà, je vous les donne. Ici, ça peut être déjà tout fin octobre, je vous dis, hein, je vacille entre le 10 et le 11 ici pour vous les amis. Vraiment. Il y en a pour qui ça va déjà être fin octobre, il y en a d'autres pour qui ça va être à partir de la mi-novembre ici. Alors vous allez me dire dans quoi? Eh bien ça c'est un petit peu à vous à les capter. Je pense que vous le ressentez déjà. Qu'est-ce que votre cœur a décidé de changer, a décidé de transformer ici? L'arbre de vie. Solide comme un roc. Vous voyez la force de l'arbre. On en a parlé là tout de suite. Solide comme un roc. Vous avez tout ce qu'il faut pour que cette histoire, ce projet, ce travail, cette réalisation soit solide et soit équilibrée surtout. Hein. Ah, vous avez un sacré coup de pouce ici, hein, de vos guides. Hein. Sacré coup de pouce. Ok, c'est magnifique. La foi. Le tout est de garder la foi, les amis. Foi du pape. La carte du pape, le signe du taureau, la lune en taureau. Il y a peut-être des taureaux ici d'ailleurs. Des lions, il y a peut-être des scorpions, verseaux peut-être, mais je crois que je les ai déjà eus. On voit que vous gardez la foi malgré tout. Vous dites si les gens sont idiots, ils sont idiots. Vous vous dites si cette situation ne m'a rien apporté, c'est qu'elle n'était pas pour moi. Vous voyez, il y a toujours un sens, il y a toujours une raison à tout et cette raison, cette vérité, vous la connaissez. Elle est à l'intérieur de vous. Vous êtes des êtres très spirituels ici. Et vous avez une de ces forces. C'est incroyable. Là. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui sont tombés. Ok, bon. On en reprend deux encore les amis.
J'ai dû aller la cueillir mes deux cartes à terre. L'étoile, magnifique, magnifique. Croyez en vos rêves, les amis. Je vous en supplie, ne baissez pas les bras. Vous attirez des belles choses quand vous êtes dans des énergies vibratoires positives. Ne baissez surtout pas les bras. Vous êtes guidé, hein. Clairement, avec l'étoile, c'est ça, hein. Vous êtes connecté à un ange gardien, à la puissance angélique, au cosmos, à l'univers, appelez-le comme vous voulez. Et là, vous avez fait un vœu. Et si vous faites un vœu, si vous n'avez pas encore émis ce souhait, ce vœu va pouvoir se réaliser. Et on a bien sûr ici nos amis Verseau, avec l'étoile. C'est l'énergie, en tout cas, de ces signes-là ici, hein. Cavalier de Denier. Les choses vont se faire à un rythme, pas à un rythme effréné, à un rythme équilibré. Le cavalier de Denier, il sait qu'il va y arriver. C'est quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un de patient, donc beaucoup de patience ici. Il sait qu'il va y arriver, mais il sait que ça va demander encore un peu de temps. Mais c'est pas grave. Voyez, on vous dit, c'est pas grave. Je vais juste recouvrir l'as d'épée hein, pour avoir une petite idée. Là, il y en a de trop. L'as d'épée, les amis. L'as de denier. Une nouvelle chance vous est offerte comme sur un plateau, les amis, ici. Ne la loupez pas. Il y a une nouvelle chance qui vous est offerte et qui va vous permettre de passer à autre chose, à quelque chose de beaucoup mieux. L'as de denier. C'est une nouvelle chance d'avoir de nouveaux revenus, d'avoir plus de possibilités d'agir et d'accomplir ici. C'est pas des revenus, ça peut être autre chose. On a la reine de denier. Vous avez peut-être eu peur pour votre sécurité financière à un moment, les amis. Hein. Moi, je crois que vous avez, à un moment, vous avez eu peur. On a la reine de denier, elle est terriblement bien ancrée à la terre. Vous avez peut-être eu peur parce que vous avez eu peur que tout s'écroule. Mais on voit que, voilà, vous avez continué. Hein. Ici, on a le Mars en Lion. Vous avez continué à y croire. Hein. On a pas mal de terre ici. Hein. De terre, Lion, Taureau. Passez clairement à autre chose. Hein. Le 9 de denier avec le Vénus en Vierge, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui va vous être profitable. Le 9 de denier, c'est la récolte, les amis. C'est un vœu qui est exaucé là. Quoique si vous avez fait le vœu là en haut, il est déjà exaucé. Hein. C'est une question de quelques semaines ici. Hein. Bon, c'est très, 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 très joli. C'est magnifique, les amis. Alors. Je vais passer au... Tiens, un petit message de vos anges, vite fait, là. Et deux, trois cartes du Tibus pour mes amis. Beaucoup trop, mes anges. Profusion, la magie divine est en chemin, tant les deux bras ou les mains. Vous voyez, on vous dit que c'est en chemin. Donc, n'allez surtout pas rien abandonner maintenant. Continuez, les amis. Hein. Et regardez le dos de deck, les amis. Regardez le dos de deck. Tout ira bien, vous dit votre ange gardien. Il y en a une autre qui a voulu venir. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. N'abandonne jamais, n'abandonne pas. Waouh! Et s'ils sont comme ça avec vous, c'est parce qu'ils vous aiment beaucoup, hein. C'est parce qu'ils veulent le meilleur pour vous. Hein. C'est pour ça qu'ils insistent ici très fort pour que je vous fasse passer le message de ne pas abandonner, peu importe la situation. Hein. Ça se passe de mots, les amis. Hein. Four leaf clover, great good fortune, super et bonne fortune. Vous avez le trèfle à quatre feuilles qui vous annonce une bonne fortune. Ici, il y en a trois. Je n'en veux pas trois.
On vous dit que les nouvelles sont en chemin. Il y a des nouvelles pour vous en chemin, les amis. Et on parle de prendre des vacances, de prendre du repos, de pouvoir partir en vacances, de faire un voyage, de voilà, pouvoir vous reposer. On dit, c'est fou, hein, persévérez et vous allez voir vos problèmes partir, s'envoler. C'est fou. On vous dit que vous avez une force, et je vous l'ai dit là tout de suite, votre force personnelle et votre paix intérieure va vous assurer le succès. Donc, je crois que les messages sont tout à fait en concordance avec ce que je vous ai donné avant, les amis. Hein. Je pense bien. Hein. Donc vraiment, c'est très, très, très beau et très encourageant ici. Hein. Ok. Peu importe ce que vous voulez obtenir finalement, vous adaptez au domaine de votre vie qui vous parle. Pour le domaine amoureux, pareil. Si tout va bien dans le couple, ne prenez pas. Si vous êtes célibataire, dans une relation compliquée, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Hein. Je le répète toujours parce que je trouve que le domaine sentimental est quelque chose de délicat et on ne doit pas jouer avec ça. Ok. Vous avez un gardien, un ange gardien, quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être quelqu'un qui est là en haut, mais qui veille pour que vous soyez heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale. Vous avez beaucoup d'intuition, donc écoutez-vous un maximum, les amis. Écoutez-vous. Cette personne qui vous garde là, qui n'est peut-être plus de ce monde, elle vous souffle des messages pour que vous écoutiez vous aussi votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'innocence, ouais. Prenez la vie comme elle vient, prenez les choses avec beaucoup de légèreté. On vous annonce de la stabilité. Eh oui. C'est bien le mois de novembre ici. Wow. Attendez, parce que là, c'est tombé. Alors, je prends en 2 de dés qu'on a le chemin. Donc, c'est la carte du chariot. Donc, on dit que vous êtes en bonne voie. Regardez. En plus, on a la lumière là au bout. Hein. Donc, ne baissez pas les bras, même en amour. Hein. Oh, l'as de cœur et l'union. Ben voilà. C'est finalement la suite logique. Donc, ceux qui sont seuls et qui font une rencontre, ce sera la bonne. Ce sera la bonne personne. Vous allez avoir le cœur qui bat ce nouveau regain là. Quelque chose de pur, de magnifique. Et il se peut que pour ceux qui ne s'étaient pas engagés, il y a un engagement par la suite. Pour les couples ici, on voit aussi qu'il y a un retour de flamme, j'ai envie de dire, un retour de passion, un retour de... Bon, je sais que toute passion, les passions peuvent aussi être destructrices, on vous l'a dit au début, mais il y a quelque chose qui s'active ici. Ouais, observation, curiosité. Ah, peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un et vous êtes curieux, curieuse, ou inversement, vous regardez un petit peu comme ça, vous voyez. Apprêtez-vous à recevoir, les amis. 6 d'arbre. Apprêtez-vous à recevoir de l'amour. Peut-être que vous, mes amis, vous en avez beaucoup donné et pas assez reçu. Et maintenant, il y a une espèce de partage, d'équilibre qui revient ici. C'est magnifique. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous, pour le domaine amoureux? Je voudrais prendre un tarot différent pour chacun. Je vais prendre l'oracle Line of Love, les amis. Bon, ben, j'ai pas eu le temps, hein, vous avez vu, hein, elle a fait son triple saut. Voyage, nouvelle aventure, voyage avec votre autre, un voyage qui se dessine à deux. Ou peut-être que pendant ce voyage, ce déplacement, il y a une rencontre qui se fait. Nouveauté. Abondance. Oh, formidable, les amis, regardez. Un renouveau, abondance. Incroyable. On parle bien d'un engagement. Donc, si vous êtes déjà en couple, voilà, ça peut vous parler. Et si c'est une nouvelle personne, on parle bien d'engagement. On parle bien de choses qui se concrétisent, qui se matérialisent. Ok. D'accord. Oh, on parle d'une grande guérison. Votre cœur est vraiment en pleine guérison, les amis. Et on a beaucoup de lumière ici sur votre vie amoureuse.
Vous allez trouver le ou la partenaire idéale. Vous allez peut-être, lors de ce voyage, lors d'un déplacement, ou peut-être avec votre autre, vous décidez de changer du tout au tout et de faire un petit voyage à deux, un petit week-end, quelque chose de romantique ici. On vous parle, regardez, hein, on vous parle d'énergie positive, du retour de l'amour aussi, ici pour vous et pour votre foyer, hein, l'amour de la famille, hein, le bien-être. Et ici, j'ai monsieur juste derrière. Hein. Donc, ça peut nous parler d'un homme qui compte beaucoup pour vous, d'un homme qui arrive, madame, ou ça peut vous parler à vous, monsieur, bien sûr, si vous me regardez. Hein. Je vais terminer avec un beau message pour vous. J'ai très envie de le prendre. Je ne sais pas si je l'ai pris pour le 2, mais ici, on me dit de le prendre pour vous. Du cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je ne voudrais pas que la guidance dure trop longtemps non plus. Vous voyez tout le temps et l'énergie que je consacre ici, les amis. Eh bien, sachez que c'est toujours un réel plaisir d'être ici avec vous. Que c'est pas grave si vous voyez pas mon visage, que c'est les messages qui sont les plus importants. Que c'est pas grave pour les gens qui savent pas faire de petits dons, je ne vous en veux pas. Sachez que je fais tout avec passion, avec le cœur et j'espère que vous le ressentez. Et donc, pour ceux à qui ça ne plaît pas ou pour qui ça ne résonne pas, ce n'est pas grave non plus. Vous voyez, il n'y a pas de quoi compliquer la vie alors qu'en fait, elle pourrait être bien plus simple. Voilà. Dans les relations humaines, notamment. Vous voulez venir, je la prends. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et sur vos relations. Magnifique. La méditation peut vous aider, les amis. Ne fût-ce que, voyez, moi, j'ai déjà posté 3 méditations sur ma chaîne, elles ne durent pas plus que 15 minutes. Il y en a même une qui fait que 12 minutes, donc c'est pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, hein. Une fois ou deux par semaine, c'est plus que suffisant. Hein. C'est ça, on me dit que vous entrez dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir, regardez comme elle est belle, dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi, qui approfondit votre connexion à la Terre Mère Gaïa et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger ou vous bouleverser, mais c'est un bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Encore, on me parle de guérison. Voilà les amis, je vous les laisse, hein, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Elles sont vraiment superbes. Et ici, c'est aux éditions, je l'ai dit dans l'intro, hein. Édition Vega. Toute beauté, je trouve que les dessins sont magnifiques, hein. Vraiment. Oracle de transformation intérieure. On va aller prendre vos signes, votre chemin de vie qui me reste, les amis, hein, puisque j'ai déjà pris devant les deux autres choix leur signe, leur chemin de vie à vie personnelle. Et s'il n'y a rien de tout ça, pareil, ne m'en veuillez pas. On est trop nombreux, je ne peux pas aller prendre d'autres cartes supplémentaires. Donc, on prend ce qui reste ici. Chemin de vie à vie personnelle 9, chemin de vie à vie personnelle 5. Chemin de vie maître nombre 33. Eh bien, on a eu le 33 de reprise tantôt. Et chemin de vie maître nombre 22. Ok. On a nos amis cancer, nos amis poissons, ça peut être votre solaire, ascendant, lune ou le Vénus si le domaine amoureux vous parle, nos amis les capricornes et nos amis les lions. Il ne peut y avoir que ça, ou les deux, ou rien. C'est pas grave, c'est la guidance qui a dû vous apporter des messages, les amis. Et mes amis lions, ça m'étonne pas, hein, quelque part, on a eu quand même un rappel assez souvent de cette force intérieure, là.
Je vous embrasse les loulous, passez de véritables beaux moments. L'automne est une période aussi qui est faite pour se dépouiller de l'ancien et pour repartir sur du nouveau. Donc je vous souhaite tout ça et je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner au passage les amis. À bientôt.